Bienvenue sur une nouvelle vidéo Phasmophobia, le chat est fougueux et aujourd'hui comme tu peux le voir en bas à gauche, on reprend évidemment la Road to Point Hope 50. Si tu le sais pas, il faut réussir 50 parties sur la map du phare, la map de Point Hope pour débloquer une surprise. Je crois que c'est un nouveau badge mais j'en suis pas sûr. Si t'as loupé les épisodes précédents où on faisait du coup les 20 premières parties, je te les mettrai dans les fiches. Le petit défi, je te le répète, c'est le suivant, il nous reste du coup 30 parties, on va faire 10 parties en cauchemar qui seront dans cette vidéo, les 10 prochaines parties seront en une seule preuve et les 10 dernières parties seront en 100 preuves. Ça devient évidemment de plus en plus dur. On est parti, mesdames et messieurs. Si jamais tu veux nous rejoindre sur Twitch en live quand on fait nos conneries, c'est quasiment tous les soirs de la semaine à partir de 22h. Tu as le lien dans la description. 10 parties en cauchemar sur Point Hope. Est-ce que ça va prendre 2 heures? Est-ce que la vidéo va faire 5 heures? La réponse tout de suite. Let's go, baby. Allez, go. Go, go, go. Je me suis bien mis en cauchemar, yes. Alors, on n'a pas fait de game de chauve sur Point Hope, YouTube. Donc, on va voir ce que ça donne. Jason Carey, j'ai pas joué depuis... Apparemment, ils ont fait... Oh, il y a un shaker de Holly, là. Ils ont fait un hotfix. Ils ont réparé un peu la santé mentale sur la map. Ça fait 3 semaines que j'ai pas joué... Que j'ai pas touché cette map. On va... Ah, mais oui, en cauchemar, t'as pas l'électricité, c'est vrai. Ok. Ok, let's go, baby. C'est quoi la prédit? Ok. Ok, ok. On est parti. Est-ce qu'on a la planque ici? On n'a pas la planque là. Je vais essayer de les faire sans me tromper, sans mourir. C'est pas garanti, mais je vais essayer. Il faut que je me souvienne que cette map est compliquée et qu'on n'entend pas le fantôme. Ok. Ok, j'ai rallumé. Donc là, normalement, je suis pas censé perdre de la santé mentale s'ils l'ont réparé. Ok. J'attends un peu, hein. J'attends un peu pour voir si ma santé mentale baisse. Il me semblait, pendant que j'étais en France à la Japan Expo, qu'ils avaient fait un fixe avec la... Avec la santé mentale sur cette map. En fait, là, on perdait de la santé mentale parce qu'en fait, il fallait allumer la télé. La télé était comptée comme une lampe. Il me semble que c'était marqué ça dans le fixe. Ok, il a pas l'air... Ah! Ok, il est peut-être salle de bain. Peut-être. Hein. Ok, il est peut-être salle de bain. On va aller voir si on a perdu de la santé mentale. Comment... Quand on fait des commandes au lit en dehors des lives, as-tu des alertes? Non. Enfin, il y a des... Oui, mais pas sur le live, du coup. Mais je le vois, oui. Moi, je le vois. Ah, mais je suis con, je suis en cauchemar. Je peux pas regarder. Tu vois, je suis déjà pas concentré. Ok, c'est pas grave. On va, du coup, prendre ça, ça. Je vais pas te mentir, YouTube. Ça fait 20 minutes que le chat est dissident. Si je fais des petites erreurs d'intention, c'est de sa faute. Mais là, c'est pour de vrai, quoi. Pour de vrai, de vrai. Ok, il a touché la porte. C'est quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? Ça m'a fait trop peur. Ah, c'était la porte de la porte de la douche? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? From behind? Non, je te permets pas. Ok, on a spirit. Ok, 3 degrés. Pour l'instant, on n'a pas la glaciale. On n'a pas l'air d'avoir de MF5 non plus. On va essayer de jouer un petit peu vite. Safe, mais vite, tu vois. Parce que 10 parties... Attends, il y a encore eu le bruit là. Je sais pas ce que c'est ce bruit, mais je l'aime absolument pas. Vous l'avez entendu? On aurait dit un. Les vaporisateurs automatiques, tu sais, pour que ça sente bon là. Le pchit, pchit. Mais le truc, c'est que le son, on dirait quelqu'un qui te fait pchit dans l'oreille. Ça fait un peu flipper, je trouve. Merci beaucoup, Cassandra. Sur TikTok. Qu'as-tu pensé des jeux Fear to Fathom? J'adore. T'as tous les let's play sur mon YouTube. Et y a pas l'air d'avoir de... d'orbe. Ok, alors ce qui est bien, en fait, avec le fantôme salle de bain, c'est que quand vous allumez ces deux ampoules, vous ne perdez pas de santé mentale. Ça, on l'avait testé déjà. Faut que je fasse gaffe si c'est un Moroi d'ailleurs.
T'imagines le fantôme, il peut te faire de l'ASMR? Ça me trigger tout de suite, hein, je vous le dis. L'ASMR, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Je commande jamais en live perso et ma commune utilise ton code. Merci beaucoup, Nofir. Mais regarde pas les streams. Après, vous êtes pas obligé de claquer le holy et de regarder les streams. Hein. Ça, après, c'est vous qui voyez. Hein. Prenez que ce qui vous intéresse. Ok, est-ce qu'on a la glaciale? Ah! Je vous rappelle que la glaciale, il suffit d'être en dessous de 1 degré. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Est-ce que le fantôme est toujours ici? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Ok, le fantôme est tout... Ok. Les dots. Ok, faut que j'aille chercher les dots. Donc pour l'instant, mesdames et messieurs, on peut partir du principe qu'on n'a pas... Je vais vous remontrer comment on fait pour enlever des fantômes en cauchemar alors qu'on n'a que 2 preuves sur les 3. Merci énormément pour les 1000 bits, Rookstar. Tu régales. Bleu bleu. Merci beaucoup. Donc là, mesdames et messieurs, regardez. Je vous montre, on a testé l'orbe. Donc vous cochez l'orbe et on a testé le MF5. Et on n'a pas les deux. Donc vous cochez les deux. Et donc vous pouvez décocher les fantômes qui ont besoin des deux. Ça, c'est une petite technique pour décocher des fantômes en cauchemar. On a testé l'ultraviolet et le MF. On n'a aucun des deux. Donc vous pouvez enlever ça. On a testé l'ultraviolet et l'orbe. On n'a aucun des deux. Vous pouvez décocher ça. Donc là, vous voyez, on a déjà enlevé certains fantômes. Alors là, comme on a la spirite, ça ne nous sert pas, mais des fois, quand tu n'arrives pas à avoir, les preuves, ça peut servir. Merci beaucoup, Mister, pour le Prime et le 9e. C'est pas en dessous de 0 la température? Non! Si je vous dis que c'est en dessous de 1, pourquoi vous me demandez? Oh, mais ce bruit, il va me rendre fou! Pourquoi vous me demandez si c'est en dessous de 0? Je viens de vous dire que c'est en dessous de 1. Faites un effort! Est-ce que c'est la glaciale, la deuxième preuve? Non. Ça va être les dots. Est-ce que le Goryeo... Non, le Goryeo a pas la spirit. Oh! Bon, bah c'est les dots. Ok. Spectre, fantôme, yokai, déogène. Ok, ça c'est cool. On va du coup aller chercher un peu de matos. En dessous de un quoi? Tu vois, YouTube, ce que je te disais? Ok, le spectre, le sel, le fantôme, l'appareil photo. Ok, il a coupé le courant. Donc le jean, de toute façon, on savait que c'était déjà pas un jean. Un petit déogène. On pourrait tester le déogène à la spirit, mais autant le faire en chasse, tu vois, ça va plus vite. On a le yokai, il faut faire attention, le yokai peut attaquer à partir de 80. Et on va aller remettre le courant. Ok. Peu importe le niveau de ton équipement, c'est en dessous de 1 degré. Oui, c'est en dessous de 1 degré. Après, si ça te réconforte en dessous de 0, attends que ça soit en dessous de 0, hein, y a pas de souci. Alors, on peut tester le fantôme avec les dots, mesdames et messieurs, puisque le fantôme disparaîtra normalement quand vous le prenez en photo, pendant un événement ou pendant les dots. Mais je crois qu'il y a un bug en ce moment sur le fantôme. Donc si c'est un fantôme, ça m'intéresse. Il a marché dans le sel, donc ça peut pas être un spectre. Là, vous l'avez entendu, le bruit, là. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit maléfique? Oui, tu peux changer les Fahrenheit et les Celsius dans Phasmo, ouais. Je crois. Oui, je suis quasiment sûr. Ils ont réparé le bug de la photo? Bah, je sais pas, justement. Allô? Mais tu nous mets les dots, s'il te plaît? Là! J'ai pris la... Au moment où j'ai pris la photo, il a disparu, vous avez vu? Et on voit pas le fantôme. Donc, normalement, ça devrait être un fantôme. On va quand même faire une chasse, histoire de bien vérifier, puisque le fantôme clignote très lentement en chasse.
C'est son deuxième pouvoir. Donc en principe, on devrait être sur un fantôme. Et du coup, on aurait testé, ils ont réparé le bug de la photo. Ok. Ok. Ah, il est bizarre le bruit, hein. Oh, il y a des petits. C'est bizarre ce bug de lumière là. Ok. Ok, 10 minutes la première partie. Ah, attendez, est-ce que. En vrai, on peut le faire une deuxième fois. La photo ne comptera pas, mais on peut peut-être tenter de le faire une deuxième fois. Pour voir s'il disparaît encore. On peut peut-être tenter de le faire dans le noir. Peut-être que ce sera plus obvious. Alors je reste dans sa salle parce que le fantôme te suit. Le fantôme suit un joueur aléatoire, mais comme je suis tout seul, bah voilà. Est-ce qu'on peut le faire deux fois? Ok, il a marché dans le sel. Allez, fêtez Dots, ok, il est par là. Fêtez Dots. Fêtez Dots. Alors, il y a toujours un bug en chasse avec les Dots, par contre. Hein. Là, mesdames et messieurs, on l'a bien vu disparaître au moment où j'ai pris la photo. Normalement, c'est un no-brainer. Là, c'est un fantôme. Hein. Si ça vous arrive, surtout deux fois. Bon, tu vas, Yuka, c'est un fantôme. On va aller jouer avec l'objet maudit. Histoire de faire une chasse et de voir vraiment si c'est un fantôme. Le tarot est ici, il n'y est pas. Là, il me semble pas qu'il y ait d'objet maudit à cet étage-là. Est-ce qu'on a un objet... Oui, on a le miroir qui n'est pas ici. Ah, j'ai quand même... tu vois, je m'en souviens quand même vachement bien. Là, il y a la Ouija, je crois. Ok. Donc, c'est pas la Ouija. Là, qu'est-ce qu'on a? Chambre des parents, il y a la boîte à musique. Ah, le cercle. Oh, le cercle, c'est cool. Ah putain, bah avec le cercle, tu peux tester le fantôme facilement, du coup. Puisqu'il disparaît quand tu le prends en photo. On pourrait le tester comme ça aussi. Ouais, remarque, on va pas se prendre la tête. Je vais allumer en bas. J'espère que le courant va pas sauter. Non, c'est bon. Et on va regarder comment il clignote. Merci beaucoup Cassandra pour la holy claquée. Merci énormément. Ok, let's go. Cassos! Alors, regardez son clignotement. Si jamais il décide de descendre. Il est au-dessus. Ouais, regardez, il est très souvent invisible. Vous voyez, on le voit presque pas. Ça, c'est le fantôme, ça. Ok. Bon, bah c'est bon, c'était un fantôme. Merci énormément pour le claquage, tu régales. Un vrai bon fantôme. Qui fait bien son taf, en plus. Il disparaît bien quand on prend en photo. Allez, on est bon. Première partie validée, mesdames et messieurs. Normalement. Putain, il y a encore ce bruit. Si t'as la réponse, tu me le dis en commentaire, YouTube. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, là? On dirait quelqu'un qui fait un chut. Tu sais, en mode, ferme-la, quoi. Je sais pas ce que c'est, ça me trigger. Fantôme. Quand je joue avec ma sœur, je cherche direct la cachette. Non mais t'as bien raison. Il faut toujours regarder les cachettes. Toujours. Mesdames et messieurs, c'était donc bien un fantôme. Petite game en moins de 15 minutes. La vidéo devrait pas être trop longue. Normalement. Évidemment, au niveau du compteur, on va passer à 29. Toi, tu vas te prendre une petite pub YouTube. Et puis nous, on va enchaîner évidemment pour une game supplémentaire. C'est le bruit de la porte de la douche. Quand tu cliques dessus, ça le fait. Ok. Alors, c'est ce que je pensais, tu vois. Je pensais que c'était le bruit de la porte de la douche, mais j'étais pas sûr. On va tester prochaine game. Alors, est-ce qu'ils vont retrouver la commande? Ouais, il y a count. Ils ont retrouvé la commande. C'était point d'exclamation plus 1, je crois. Voilà, il nous reste 29 parties, la pub YouTube et on enchaîne. Ok. Ok, Jay, première game. Moi, je pense que les 10 parties, mesdames et messieurs, la vidéo va faire au moins 2h, 2h30. Là, tu vois, on est bien. On a eu un fantôme à l'entrée, tranquille et tout. À mon avis, on va se taper un cauchemar ou une ombre qui branle rien tout en haut, là.
En vrai, elle serait là plus souvent. Elle le serait déjà, je pense. Alors, attends. Eh bien, évidemment, la porte est fermée, je peux pas tester. Ah, putain, dommage. On va aller remettre le courant. Est-ce que j'ai la planque ici? Je n'ai pas la planque ici. J'ai le courant ici, pas du tout. Ok, est-ce qu'on a le tarot? On n'a pas le tarot. Ah, on a le courant là. Bon, ça c'est cool. Ok. Mais non, mais c'est vrai. Hein. Ok, on va attendre que ça... Tu sais quoi, je vais ramener le matos un petit peu. On va attendre que la température monte, comme ça on sera moins chiant à tourner en rond. On va ramener Spirit UV. Pourquoi il n'y a pas l'activité totale dans le camion? Parce que je suis en cauchemar. À partir du moment où tu es dans une difficulté cauchemar ou élevée, tu n'as plus les deux panneaux dans le camion. Ils sont cassés. Ce qui rend le jeu plus difficile. À propos de Loriot, si on allume trois bougies et qu'elles finissent par se consumer d'elles-mêmes, est-ce que ça déclenche quand même sa chasse? Non! Pour que ça compte, il faut que ça soit Loriot qui souffle la bougie, qu'il y ait une interaction, que tu aies un EMF, si jamais tu en mets un à côté de la bougie. Si la bougie, elle s'éteint toute seule, ça ne compte absolument pas. Hop, hop, allez, ça a dû bien monter là, ce qu'elle m'a dit. Pourquoi la porte de la salle de bain est fermée? Parce que sur Point Hope, la porte de la salle de bain et la salle de bain elle-même, c'est considéré comme une cachette. Et donc, comme on est en cauchemar, parfois, tu as des cachettes où tu n'as pas accès, contrairement à l'amateur où toutes les cachettes sont disponibles. C'est pour ça que parfois, tu auras la porte de la douche fermée. Tout simplement. Ok. Titis. Ok, il est pas là. Merci beaucoup, Lydrix. Alors, allez, pas un fantôme tout en haut, s'il te plaît. Okay. Non plus. Oh, on a le... Attendez. Oh, la chambre du gamin. Donc là, je viens de perdre 20%, donc faut faire gaffe. Mais au moins, on a l'info. C'est dans la chambre du gamin. On peut louper le fantôme autour du billard. En étant accroupi, on l'avait testé ça. Ok, faut faire gaffe. Faire gaffe. Chambre du gamin, c'est la prochaine. Ok. Ok, il est bien là. Est-ce qu'on a la glaciale là direct? Oh, glaciale 03. Voilà, là vous pouvez mettre glaciale direct. Ok, glacial 03, on a le démon, ça c'est jamais bien. Il vient de bouger un truc là. Ok, MF3. C'est la suite de la streak sur Point Hope. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est pas vraiment une streak, comment tu vas Cédric? C'est juste qu'il faut qu'on fasse 50 parties pour débloquer le secret. Sans spoiler, il y en a qui l'ont fait dans le chat? Les 50 parties sur Point Hope pour débloquer? Comment tu vas Légis? Ouais, ok. Après, nous, on choisit la version un peu la plus dure, tu vois. On pourrait le faire en... je pense que ça marche en entité amicale avec les trois preuves. Hein. Je pense que ça marche en vrai. Salut Spatial, tu vas bien? J'ai une question, comment je pourrais faire pour monter en niveau rapidement en sachant que je suis niveau 40? Tu ne peux pas! Joue au jeu! Et arrête de vouloir gruger! Je vais pas prendre l'écriture, je vais prendre la caméra plutôt. Ça marche en amical. Ouais, mais c'est un peu triché de le faire en amical, non? Faut il te reste deux games. Et regarde pas le chat TikTok. Si, si, je regarde le chat TikTok. C'est fou ces genres de mauvaise foi et de... C'est dingue, hein? Avec un 0,19 claqué du cul. Oui, il faut pas que ça soit en x0 peut-être, ouais. Donc en amical, peut-être que ça marche pas. Mais je parlais pas en amical pour monter le niveau, je parlais en amical pour faire les 50 parties sur Point Hope. Il faut suivre, chat. Alors attends. N'oubliez pas que j'ai perdu 20% de santé mentale avec le miroir. Donc il suffit que ça soit un démon, un Oreo, tu vois, ça peut aller très vite. Un mimique.
pour être en chasse là. Comment vérifier s'il est en chasse? Voilà, il n'est pas en chasse. Si vous pouvez allumer ou éteindre la lumière, c'est qu'il n'est pas en chasse. Ok. On va poser ça, ainsi qu'un dots. On va le mettre, on va attendre qu'il prenne bien toute la chambre. Hop. On a déjà la glaciale. Il nous reste plus qu'à aller regarder à la télé et puis foutre l'écriture. Tu mérites les 100K. Bah, c'est gentil, merci. Tu veux dire par mois ou d'abonnés? Tu vas bien, Légis, ça fait plaisir de te voir. Du coup, j'ai pas vérifié, mais si les devs n'ont pas menti en amical, donc x0, ça devrait pas marcher, d'accord? Tu nous diras si tu vas à la PGW. Ah bah, non, je vais le garder pour moi. Je vais le garder pour moi. Surprise! Blé, blé, blé. Oui, évidemment que je vous le dirai. J'en sais rien, moi, si j'y vais. Zéro preuve et entité amicale, c'est impossible. Eh ben, tu vas sur mon YouTube et j'ai fait le test. Tu verras. Entends pour moi, parce que je t'avais demandé si ça allait, mais t'avais pas rep. En fait, si tu veux, sur TikTok, ma... En fait, ce que vous vous rendez pas compte, c'est qu'on est plus de 800. Et si tu cumules avec YouTube, des fois, on est plus de 1000. Donc, je peux pas répondre à toutes les personnes qui me disent « Ça va ?» Tu vois? Je réponds aux questions. Ok. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'orbe. Hein. Ok. On va aller caler ça. Est-ce que j'ai pris une lampe UV? Je me souviens plus. J'ai pris une lampe UV, je crois. On va prendre ça. Et une lampe UV, voilà. Comme ça, j'aurai un peu de sprint. Comment tu vas? Je suis pas là. Et puis, j'essaie de me concentrer. Ah oui, elle était là. J'essaie de me concentrer sur la partie aussi, tu vois. Parce que Point Hope, en fait, ce qui est fou avec cette map, c'est qu'à un moment d'inattention, le fantôme chasse, tu l'entends pas, t'es mort. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Ok. Ok, 20 minutes, deuxième partie. En vrai, si on peut faire toutes les parties en 10-15 minutes, ce serait tellement bien. Ça ferait une vidéo pas trop longue. Ça ferait 2 heures et des bananes. Sans mourir en plus. Putain, t'imagines, on se tape une. Ok, c'est lui qui a éteint la lumière. C'est lui qui a éteint. Parce que moi, je l'avais allumé. Ok. Il a touché la porte, non? Je l'avais ouvert en grand, il me semble. Pas de MF5. Je regarde vite fait si on a des dots. Ça peut être un Goryeo, ça peut pas être un Goryeo. Cherchez Spirit. Salut Gauthier. On aime les allers-retours. Tu savais que tu peux mettre en hauteur avec le rideau et cachette du phare? Mais il y a plein de safe spots hein, sur le phare. C'est juste que normalement j'ai pas le droit de vous les montrer. Merci beaucoup Galissane pour le sub offert. Merci Chris pour le 9e mois. 9 mois de pur bonheur. Mais c'est toi qui régale. Alors, tac. Vous imaginez, déjà en cauchemar, je trouve qu'on s'emmerde un peu quand le fantôme est en haut. Mais alors, imaginez en démence sur Point Hope avec un fantôme tout en haut. Oh, laisse tomber, hein, moi je joue plus. je joue plus. Hein. Des bisous. Alors, est-ce qu'il va nous mettre sa deuxième preuve, le bougre? Est-ce qu'il chasse? Chasse pas. Honnêtement, démon, je pense pas. Démon, il aurait chassé. Mimic, j'ai pas vu d'orbe. Il a pas encore coupé le courant. Pourquoi pas un petit jean? Ok, c'est rien. On va tester à Spirit. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Êtes-vous vieux? Êtes-vous une pizza? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Ok, y a pas de Spirit. Pas d'écriture. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça vraiment bizarre là. Une ombre. EMF5. Il a touché quoi? C'était quoi ce bruit? Ah, c'était le perroquet. Ok. Ouais, tais-toi. Ouh, l'ombre, c'est pas déconnant. Le djinn aussi d'ailleurs.
Ok, ce qu'on va faire. Eh putain, j'ai fait sauter les plombs. Je voulais, en fait, je voulais rester dans sa salle, voir s'il touchait des objets à côté de moi. Ok, j'ai eu un bug dans la Tanglewood, j'avais plus de son. J'étais en multi. Est-ce que t'avais un micro parabolique avec toi? Avant, on pouvait l'augmenter, le diminuer le temps de sprint hein, dans la difficulté personnalisée. Hein. Des bisous, Florian. Le problème, c'est que ça, ils l'ont enlevé. J'étais un peu deg. J'étais un peu deg. EMF5, t'étais dans la pièce. Non, j'étais pas dans la pièce. J'ai loupé le courant. Oui, c'est pas grave, je le remettrai sur le retour. Alors attends, moi je pars du principe que c'est un djinn parce qu'il a pas coupé le courant. Mais il a fait un événement. Ouais. Pour l'instant, je sais pas, on va voir. On va essayer de faire une chasse. Essayer de faire une petite chasse, on aura peut-être la réponse avec la chasse. Loni, le djinn et les jumeaux, on peut le voir en chasse. Donc, si le fantôme n'a rien de spécial, c'est que c'est une ombre. Et si on arrive à trouver une ombre en 10-15 minutes, moi je suis content. Hein. Ok, let's go. Let's go, let's go. On a la cachette là. J'ai jamais essayé celle-là, je sais même pas si elle fonctionne. Elle devrait, mais... Ok. On va allumer ici. Le problème, c'est que cette map, pour voir le clignotement du fantôme, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On n'a pas de long visuel sur le fantôme. On n'a aucun endroit pour le louper ici. Toujours pas couper le courant. Ok. Ok. L'objet maudit, est-ce que je l'ai, chat? C'est pas la poupée. Je vais aller voir si c'est la Monkey Po. C'est pas la Monkey Po. Salut Divin, merci beaucoup pour les 10 bits. Ah oui, c'est le miroir. Ok, on va claquer le miroir. C'est le miroir. Il me semblait que je l'avais... Que je l'avais trouvé. Le miroir qui est la salle d'en dessous, je crois. Non, c'est là où... C'est la Ouija, ouais. Non, il est là. My bad. Ok. Ok. Salut Cam, tu vas bien? Ça va au Japon? Ça va très bien, il fait juste méga chaud! Merci beaucoup Power. Tu régales. Bienvenue dans la commu. Le phare, c'est la plus grosse map? Absolument pas. Ok, EMF5. J'aime bien ce nouveau son de EMF5. Oh, il a... Ouais, super. Ok, je vais me mettre là. Chercher mon encens. Le phare est considéré comme une petite map. Au niveau de la superficie, en fait, la map est pas si grande. Superficie habitable. Attention. Chut, arrêtez ! Je suis en train de faire une chasse. Vous êtes des fous, vous. Ok, il chasse pas. Là, j'ai bien gardé le miroir bien en main. Alors, s'il chasse pas, il y a moyen que ça soit ombre du coup. Il chasse. Chut. C'est les jumeaux ? Il est rapide un peu, non? Il a l'air un peu rapide. C'est trop difficile, cette map c'est trop dur. C'est pour ça que c'est cool, mais c'est trop dur. Ok, pas. Pour moi c'est les jumeaux, il est rapide. Ok, on va rattendre une chasse. Oh, il est allumé dans sa... Non, c'est moi. On va rattendre une chasse.
Et on va voir s'il est lent. Ok, il rechasse. Chut. Paf, 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 paf. Ah, il est beaucoup plus lent. Et il est en haut. Ah, il est monté tout en haut, ce con. Ok. Moi, il m'avait l'air lent, là. Je l'ai pas entendu très longtemps. Mais il avait l'air lent. Nilu ! Tu régales. Attendez, j'arrive. Attends, je vais claquer le miroir. Il a coupé le courant. Ok, ça enlève le jean. Ouais, pour moi, c'est jumeau. Pour moi, c'est jumeau. Ok, on va. On écoute. Il est où ce bâtard? Il a changé de salle? Ah ouais, là il est bien rapide là. Tac, 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 tac. Ok. Ok, on se casse, c'est jumeau. Là, on a bien vu. Première chasse, il était rapide. Deuxième chasse, on l'a entendu très vite fait. Il était lent et là, il est rapide. Pour moi, c'est jumeau. Nilu, merci beaucoup. Installez-vous. On est sur le défi de faire 50 fois d'affilée la map du phare sans se tromper, sans mourir. Pour pouvoir débloquer un petit secret. Installez-vous. Ok. Pour moi, c'est les jumeaux. On va voir. On va voir, on va voir. On peut pas vérifier la double interaction au tableau comme on est en cauchemar et qu'on n'a pas le tableau. Merci Nilu, tu régales. Merci beaucoup. La vitesse des bruits de pas change dans les escaliers. Non, la vitesse ne change pas. Enfin, si le fantôme te voit pas. Si le fantôme te voit, il accélère. Donc oui, la vitesse change. Ouais, moi je pars sur jumeaux. Je suis assez serein. On va voir. Tout de suite, la réponse. Les jumeaux, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, ça, ça fait grand plaisir. Les jumeaux, et bah écoutez, la deuxième game est validée en à peu près 30 minutes. Avec un peu de chance, cette vidéo va durer moins de 3 heures. La modération nous fait le décompte. Boum ! On passe à 28. Toi, tu prends une petite coupure, une petite pub, et on enchaîne avec la troisième. À tout de suite. La pan, la holy pan, je l'ai pas goûté non plus. Hop, hop. Alors, tac. Emma Jones. Ouh, on a la pleine lune. Je vais prendre le briquet. Ouais, la gorilla, c'est raisin blanc. Ouais. L'école, c'est vraiment la map la plus mauvaise, on est d'accord. On est clairement d'accord. Alors, nous avons, mesdames et messieurs, un temps dégagé. Il fait nuit, il fait beau, la pleine lune. Nous avons une température moyenne de 13 degrés. Attention. Ah, c'est ça. C'est chiant ou pas? Ah, j'avoue que c'est un peu chiant. Ok, est-ce qu'on a la planque ici? Putain, on a jamais la planque là. Hein. Ok, on a l'os ici. Est-ce qu'on a le tarot? Non. La map la plus nulle, c'est laquelle? Mais ça dépend des goûts de chacun. Manoé. Ça dépend des goûts de chacun. Moi, je dirais que c'est l'école. Objectivement et subjectivement, je dirais que c'est l'école. Ah oh, putain, il va aller tout en haut de phare. Ok, il est pas ici. Non, la map la plus nulle, je dirais pas que c'est l'asile. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est vraiment l'école. Les guides sont au top. Bah merci, merci d'aimer les guides. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de guide, mais il n'y a pas vraiment besoin de guide en ce moment. Si vous voulez un guide, ce serait sur quoi? Voudriez un guide sur quoi? Ok, il est chambre du gamin. Ok, EMF3. Voudriez un guide sur quoi, chat? Parce que je vous ai fait un guide de tous les fantômes, je vous ai fait un guide pour les débutants, comment se cacher, tout ça. Il n'y a pas vraiment un guide. Ah merde, j'ai oublié d'enlever le compteur. Pardon.
Un guide pour louper, peut-être, mais encore. Un guide de haute montagne, ouais, tout à fait. Tous les objectifs maudits. Eh? Nani? Ah, je devrais jouer avec la vision nocturne, je gagnerai du temps, je pense. Quel fantôme fait double interaction, ses jumeaux? Un guide des objets? Un guide pour louper? En fait, un guide pour louper, il durerait pas longtemps, le guide, il durerait 5 minutes, parce qu'en vrai, le louper, c'est de l'entraînement, il n'y a pas vraiment de... À part le fait de dire, un guide des bruits de pas? Bah c'est pareil, le guide des bruits de pas, en fait, ça sert pas à grand chose, hein. Mon guide des fantômes, ça t'indique la vitesse et les bruits de pas. Donc, tu vois ce que je veux dire? Attends, je vais prendre ça, comme ça je peux porter un objet de plus. Le fantôme de Phasmo aime bien les enfants. Pourquoi tu dis ça? Ah, bah à cause de la chambre. Fais gaffe ce que tu dis, t'es fou toi. Un guide pour apprendre à lancer des pizzas à l'ananas. Super. Qui chasse. Non. Ok, il chasse pas encore. Il a pas coupé le courant. Ok. Est-ce qu'on a la boîte à musique? On a la boîte à musique, putain, trop bien. Mon objet préféré. Ok, let's go. Pas d'orbe. Ouh, la belle empreinte. Ouh, la belle empreinte. Ok, empreinte. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Êtes-vous une pizza? Putain, c'est une pizza! Ok, c'est une pizza. Spirit, tu travailles. Poltergeist, fantôme, mimique. Bah, c'est pas mimique. Oh, la game va durer 2 secondes. L'idée, comment ça, Tintin? Oh putain, un petit polter. Vous voulez voir le pouvoir du polter? Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Fais-nous ton pouvoir, ô grand polter du cul. En vrai, ça sent un peu le polter parce qu'il y a des objets déjà un peu partout, tu vois. Fais-nous ton pouvoir, ô grand polter du fion. On va voir. On va aller prendre un appareil photo. Ah, tu peux prendre l'épée, ça c'est cool. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fantôme, polter, mimique, ok. En vrai... Le perroquet. Ah oui, j'ai oublié de mettre le perroquet. Ok, il a coupé le courant. Ah non, il a pas coupé le courant. Il y a des bugs lumière, un petit peu. Hein. J'avais vraiment l'impression que la lumière s'était éteinte. Un guide détaillé de chaque fantôme, déjà fait, plutôt que de faire une vidéo qui explique tout, faire une vidéo par fantôme, où tu montres chaque détail de chaque fantôme, longue à réaliser par contre. En fait, j'avais fait des Phasmo Memo, j'en ai fait 3 ou 4, voire un peu plus. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était trop long, trop machin. Mais après, j'ai ma vidéo guide là, des fantômes, il y a des chapitres. Hein. Donc même si c'est en une vidéo de 2h30, vous pouvez y aller, cliquer sur le fantôme qui vous intéresse, et juste regarder, ça dure 5 minutes. Hein. Donc... Ok, c'est pas un mimique. Ok. Bon, bah écoutez, là, on n'a pas trop le choix. À part faire une chasse. Ouais, remarque, on pourrait faire une chasse. Ah, mais attends, je suis con, on a la boîte à musique. Et ben voilà, on n'a plus qu'à tester le fantôme avec la boîte à musique et l'appareil photo. La game est finie. La game est finie. Un guide pour les bruits de pas, c'est bien quand on ne connaît pas la transition des vitesses. En fait, il y a déjà plein de sites qui vous mettent les bruits de pas et tout. Parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais un guide des bruits de pas, ça veut dire qu'il faut que je passe des heures et des heures à tourner off-stream, parce qu'il faut que je tombe sur les 24 fantômes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Après, tu regardes une... En fait, c'est simple. Tu veux des bruits de pas, tu regardes n'importe quelle de mes vidéos sans preuve, et puis, tu vois... C'est une chance sur 3, la banshee. T'as un guide des bruits de pas, quoi. Ok. Du coup...
On va jeter ça, on va prendre la boîte à musique, on va faire la boîte à musique, on va la poser. Dès que la lumière de la lampe torche va clignoter, ça veut dire que le fantôme est apparu, on va la poser, on va le prendre en photo. Si quand on prend en photo, le fantôme il disparaît, c'est un fantôme. Ok, vous êtes prêts? Par contre, c'est risqué de ouf. Hein. Ok. Alors attends. Je vais jeter ça. Je vais prendre ça. Ok. L'appareil photo et ensuite le briquet. Ouais, je sais pas, j'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave. On est parti. Fantôme. Vous avez vu comme il est disparu? On va tester en même temps avec le clignotement. Il est parti. Ouais, regarde le clignotement. Regarde, on le voit presque pas. Tiens, mange ça. Et là, vous courez. Vous courez, vous serrez le mur et normalement, vous êtes peinard. Le fantôme, il va vous perdre de vue. Hop. Cassos. Et normalement, on l'a même pas dans les photos, là. Regardez, on l'a même pas dans les photos. Petit fantôme. Petit fantôme des familles. Ça vous fait pareil avec le cercle maudit aussi. Comment tu vas, chieuse boudeuse? Incroyable, pseudo. Un guide des maps? Ouais, un guide des maps où je vous montre les cachettes, les machins, tu vois. Je suis d'accord. Mais en fait, le truc que moi me gêne, c'est que, enfin, je sais pas, vous avez acheté un jeu, c'est pour jouer, quoi. Je vais pas... À quoi ça sert d'acheter un jeu s'il faut tout vous mâcher le travail? Tu vois ce que je veux dire? Le guide des fantômes, je peux comprendre. Les fantômes, c'est compliqué, c'est machin, tu vois. Mais je veux dire, je vais pas te faire une vidéo pour te dire « Dans la Tanglewood, il y a 4 placards. Tu peux te cacher dans ce placard-là. » Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est utile, mais est-ce que c'est essentiel? Et la question se pose. C'était donc bien un fantôme, mesdames et messieurs. On est rendu à 27 games d'affilée. Pour l'instant, ça se passe bien. Écoutez, pour l'instant, ça se passe bien. La partie a pas duré si longtemps, en plus. Elle a duré 8 minutes. C'est magnifique! Magnifique. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Un guide pour s'abonner sur Twitch. Voilà. Tout à fait. Je vais pas commencer avec lampe torche. C'est comme ça, ça évitera que si le fantôme est tout en haut, de se taper trop d'aller-retour. On va commencer, voilà. Thermomètre EMF Spirit. C'est un bon starter. Let's go. Mesdames et messieurs, le temps est dégagé. Un peu de nuages, mais il fait beau. Il fait actuellement 14 degrés, c'est la pleine lune. Alors pour ceux qui se disent les tickets sont chers de giveaway, ils sont remis à zéro à chaque début de stream. Hein. Ok, on a toujours pas... Je crois que j'ai jamais vu cette planque. Hein. Ok. Ok, toujours pas. On a celle-là. Alors il y a un petit glitch ici que je vais pas vous montrer, où vous pouvez passer à travers les murs, tout ça. Ne le faites pas. Je sais même pas pourquoi je vous le dis du coup. Ok, on n'a pas le tarot. Merci pour le flow. C'était quoi ce bruit là? Attendez, c'est moi ou j'ai entendu? C'était la porte de la salle de bain? Il est en train de me... Me dis pas que c'est la porte de la salle de bain qu'on vient d'entendre là. Fils de... Ok, il est là. Où êtes-vous? Êtes-vous une pizza? Où êtes-vous? Êtes-vous de gauche? Quel âge avez-vous? Êtes-vous raciste? Ok, il a pas l'air. Est-ce qu'on peut... Tiens, attends, est-ce qu'on peut avoir une empreinte sur la porte de la douche? Ça, je sais pas. Me dites pas. T'as du courage pour live à 6h du mat. Je live à 4h30 aujourd'hui. Sky Mama. Ouais. Je sais pas si du courage... Je sais pas si, si j'appellerais ça du courage, moi. Tout de la connerie. Mais écoutez, quand on aime, on compte pas. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite empreinte, là? Demande-lui s'il a claqué ça au lit. On peut lui demander, si tu veux, mais... Il a pas l'air. Normalement, on devrait pouvoir avoir empreinte. Ok. Il a coupé le courant. Non, j'ai pas remis le courant. My bad. Ok, j'ai pas remis le courant parce que j'avais entendu le bruit de la porte, c'est vrai. Ok. Je vais aller remettre le courant du coup.
m'évitera de perdre trop de santé mentale. T'as toujours du jet lag, un petit peu, ouais. J'arrive pas trop à dormir en ce moment, chat. Je vais pas vous mentir. Je me suis couché à 22h, là, hier, je me suis levé à 2h30 du mat. Voilà, 22h, 2h30. Je crois que mon sommeil est un peu déréglé, hein, légèrement. Oh putain, il va nous mettre l'électricité tout en haut. Ok, Thalia, merci. Une empreinte sur la porte d'entrée, c'est possible? Non, c'est pas possible. Le seul... Oui, voilà. C'est si c'est un mimique qui se prend par un rayon, ouais. C'est le seul truc possible. Attends, j'ai loupé l'électricité ou... Attends. Je l'ai loupé comme un con, j'étais en train de lire le chat. Elle peut être dans les pièces ici, je crois pas, hein. La princesse a kiffé les sushis, ouais. Attends, je suis bigleux. Chat. Personne a suivi, là? Elle peut être... Est-ce qu'elle peut être tout en haut, l'électricité? Oui? Ah, bah c'est peut-être ça, alors. Ok. Ouais, super. Autant vous dire que si on a un fantôme qui coupe, là, ça va faire chier. Salut Klaus. Ok, donc il peut être... Elle peut... Elle est là, du coup. Ah putain, ouais, d'accord. Ah, super. Super, super, super. Donc là, à mon avis, je suis limite à 50% de santé mentale, déjà. Un petit en tout, là. Miam miam, la petite santé mentale qui part. Faut que je fasse gaffe parce que s'il attaque, on n'est pas dans la merde. T'imagines, c'est un déo là, il nous fait un face à face. Je crie, hein. Je vous préviens, je crie. Hein. Ok. Ok, il chasse pas. Ok, je vais allumer ici. Est-ce que j'ai la planque? Ouais, j'ai la planque là. Ok. Ok, ok. On est bon. Je vais chercher du matos. Je suppose que la chaleur au Japon aide pas à mieux dormir. Ouais, la chaleur n'aide pas. Je vous avoue... Après, je vous avoue que je quitte pas... J'ai une pièce en permanence avec la clim parce que là, c'est invivable, c'est drôle. Invivable. Hop, hop. Et je vais prendre juste... Par sécurité. Phasmophobia, j'adore. Ça tombe bien, moi aussi. Alors. Oh, bah le dots, au calme. Le petit dots au calme, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Êtes-vous de gauche? Ou êtes-vous une pizza? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Ok, mais elle marche pas, cette spirit-là. Ok, il n'y a pas de glacial. Oh, par contre, hé, les dots, il arrête pas de nous les mettre. C'est un truc de ouf. Hein. C'est très gentil, ça, monsieur. Merci. Pas d'empreinte. Pas de MF5. Ok, très bien. On va éteindre la lumière, histoire de regarder l'orbe. Peut-être... Ah, l'écriture, attends. Peut-être l'écriture. Yep. On va tester le fantôme avec la photo. L'Oni, le Goryeo, c'est pas possible. Le Déogène à la spirit obligatoire. Oh putain, tailler un Raiju, faut faire gaffe. Des bisous. Est-ce qu'il fait flipper le jeu? Ah oui, quand tu commences le jeu, tu flippes. Hein. Tu flippes bien comme il faut. Hein. Moi, ça va, il me fait un peu moins flipper parce que j'ai un peu de bouteille dessus. Ah, il y a trop de lumière avec les dots. J'arrive pas à voir s'il y a orbe. Je vais prendre un appareil photo et un cruci au cas où. Ça peut être un spectre, donc je vais prendre du sel aussi. Orbe, c'est forcément mimique. Non, pas du tout. Depuis quelques jours, à mon travail, grosse chaleur, pas de clim. Ah, ça c'est dur. Ça c'est dur. Non, il a pas coupé le courant. Merde. J'ai pas vu ce qu'il avait fait. On va mettre un cruci. On va mettre du sel. Comme ça, on pourra voir. Ok, toujours pas de MF. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Êtes-vous jeune?
Êtes-vous un gueux? Oh! Il m'a jeté un truc dessus. Comment ça, du shampoing? Mais ça va, je me suis lavé tout à l'heure. Salaud. Ok, je vais regarder l'orbe. On n'y voit rien dans cette pièce. Merde. Ah, mais c'est à cause de ma torche. Ok. Oh, le tableau, c'est lui qui l'a mis de travers? Non, je vois pas d'orbe. Je savais pas qu'il pouvait faire ça. Je trouve... Putain, il a touché la porte. Alors du coup, est-ce qu'on a empreinte sur la porte? Ça doit pas être possible, hein. Ou alors il a pas empreinte. Ok, je vais rallumer les dots. Comme ça, je vais tester la photo. Hop. Et hop. On n'a pas l'air d'avoir d'orbe. Il a marché dans le sel, c'est pas un spectre. L'écriture... Il a acheté le bouquin, donc c'est pas écriture. Donc là, vous voyez... Ah merde, je voulais prendre la photo. On sait qu'il n'y a pas spirit et pas écriture. Donc déjà, on peut enlever tout ça. On sait qu'il n'y a pas écriture et pas orbe. Tu vois? Mais, chut, c'est toi, chute, là. J'ai dit quoi? Dots. Pas de MF5 non plus, donc tu vois, on pourrait continuer en boucle en boucle. Bah ça va être la glaciale. Ah c'est la glaciale, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est Yureoni. Yureoni, bah faut attendre de voir s'il peut nous claquer la porte. Ou un événement paranormal. Des bisous Manoé. C'est gentil, merci. Ça me fait penser à l'émission Taps. Oui, bah c'est ça vient de Ghost Adventure, hein. C'est un mec qui kiffait Ghost Adventure et qui s'est dit tiens, je vais faire un jeu qui y ressemble. En vrai, hein. Yureoni, ok. Fais attention à ta santé. Pourquoi? Bah ouais, ça va. Ça va bien. Qu'est-ce qu'on fait, chat? Est-ce qu'on attend qu'il fasse son pouvoir ou... Parce que là, le Yurei en chasse, on peut pas le trouver. L'Oni en chasse, il clignote très rapidement. Donc on pourrait tenter une chasse pour trouver l'Oni. Ou alors, on attend que le Yurei nous claque une porte. Ce qui peut être très long. Ce qui peut être très très long. L'objet maudit, je sais pas. Je vais aller voir ce que c'est là. Poser ça ici. C'est pas le tarot. Tu as fait le jeu Madison? Oui, oui, ils sont sur mon YouTube. Point d'exclamation YouTube, Shuse. Tu vas voir. C'est une de mes vidéos les plus regardées en plus. Mon let's play de Madison. Incroyable ce jeu. Je l'avais fait en exclu, je crois, en plus. Avant que le jeu sorte, je suis pas sûr. Je ne me souviens plus. Ok, la boîte à musique, ce serait cool. J'ai bien aimé Madison, moi. Oh oui! Boîte à musique. J'ai bien aimé Madison. Il y a un peu d'inspiration de visage et tout, mais j'ai bien aimé. J'ai pas enlevé le cruci. C'est un fait, Yuki. T'as raison. Tu fais bien de me le rappeler. De Phasmophobia, en tout cas, je suis devenu addict à Phasmo. Non, mais t'as raison, c'est un excellent jeu, Phasmo. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là, on va claquer la boîte à musique, on va enlever. Ok, il a dû faire un événement. On va enlever, on va le mettre sur nous, le cruci. Et on va essayer de voir son clignotement sans crever, si possible. Me dis pas que t'as changé de ça, l'enfoiré. Petit salaud, va. Non, 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 non. Je veux pas de ça, moi. On va se mettre là. Je vais attendre qu'il retourne un peu dans la salle de bain. Et bisous, Kalisen. J'ai déjà un encens. Ouais, j'ai un encens. Okay. Vous êtes prêts? On est parti. Tout de suite, la mort. Alors, comment il clignote? Moi, c'est pas un oni, hein. Ah! Ah, si, il clignote vite quand même, hein. Ah, si, si, si.
Petit Tony, ouais. Petit Tony, petit Tony. Il a cligné bien. Au début, j'avais l'impression qu'il clignotait pas très vite, mais dès qu'on a eu à claquer le premier encens, là, on l'a vu clignoter très très rapidement. Ok, il est toujours en chasse. Faire gaffe qu'il monte pas. Ça c'est traître. Ok, il est plus en chasse. Ok, c'est un petit Tony. Un petit Tony, un petit Tony. Donc là, vous avez vu, en fait, l'Oni, comment le trouver, il est très souvent visible. Et par rapport aux autres fantômes, le moment où il clignote, le moment où il devient invisible, c'est le seul qui peut faire ça en dessous de 0,5 secondes. Donc là, on a bien vu qu'il a fait... Tu vois, qu'il a clignoté, c'est limite un stroboscope, le truc. Ça, c'est l'Oni. Il n'y a que l'Oni qui peut le faire. Un guide avec l'Oni. Ah bah, l'Oni, ça demande de l'entraînement, hein. C'est... Quand il y a une chasse, tu peux pas allumer les interrupteurs ni les éteindre. C'est comme ça que tu peux vérifier s'il y a une chasse. Tout à fait. Bon bah petit Tony. Eh hey, mesdames et messieurs, 4 games en moins d'une heure. Si c'est bien un Oni. Inch'Allah. Des bisous Power. Eh hey, c'est un petit Tony. Petit Tony des familles. Eh hey, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On va peut-être réussir le sub 3h, mesdames et messieurs. 26 games restantes. La petite pub YouTube. Le petit Tony, comme on dit, évidemment. Des bisous à tous ceux qui s'appellent Tony. Et nous, bah évidemment, on va enchaîner. Ça fait beaucoup d'évidemment. A tout de suite. Évidemment. Ok, paf, paf, paf. Alors, il nous reste... Putain, ça va être long, hein. Encore 6 parties. Très bien. Ça va bien se passer. Toujours un ciel dégagé. On va commencer avec ça. Ça va aller plus vite. Et là. Ok. Prendre le briquet. On est parti. Les settings de ta partie. Oh. J'avais jamais vu qu'il y avait des petites vagues comme ça. Vous savez, des fois, vous vous posez trop de questions, chat, j'ai l'impression. À me demander les settings. Ah, je me suis pas mis en cauchemar, c'est ça que tu veux dire? Ah oui, c'est vrai, on a fait des tests. On revient. Ok. Cette fois, on est bien en cauchemar. C'est la fatigue, ça. Oh, il fait beau! Magnifique. Tu préfères quoi entre Phasmophobia ou Exorcisme? Je connais pas le jeu Exorcisme. Exorcisme! En vente à 12€. Ok. Ah, toujours pas la cachette. Hein. Ok. Est-ce qu'on a le tarot? Toujours pas. Ah, attends, j'ai pas regardé s'il y avait l'électricité derrière la porte. Le bug du micro en solo a été. Non, il a toujours pas. Toujours pas. Il est content créateur Phasmo, je le vois mal dire qu'il préfère pas Phasmo. Non, moi ça me dérange absolument pas. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça, Eris. Sache-le. Si je préfère un autre jeu, moi je vous le dis, hein, y a pas de... Tu sais, je suis pas payé hein, en tant que content créateur. Hein. Je suis pas payé, rien du tout. Enfin, j'ai pas de... La seule chose que j'ai pas le droit de dire, c'est du mal du jeu gratuitement, tu vois, si c'est pas justifié. Et j'ai pas le droit de vous montrer des glitchs ou des exploits, tu vois, dans le jeu. En tout cas, j'ai pas le droit de vous les montrer et de vous encourager à le faire. Mais sinon, à part ça, je suis quand même assez libre. Hein. Ok, on a le cercle. Là-dessus, ils sont pas très chiants. Hein. Ils sont quand même assez cool. Et puis, c'est les premiers à nous demander de leur dire si vraiment il y a des bugs, il y a des machins. Croyez-moi que dans le Discord des partenaires Phasmo, là, croyez-moi qu'au niveau des bugs et des glitches, on y va. Hein. On leur dit hein, dès qu'il y a des trucs qui vont pas. Hein. Ils sont au courant. Hein. Okay. Putain, il va être tout en haut. Ou alors j'ai loupé la salle au début. Oh putain, il va être tout en haut. On n'a pas les casiers. Non, il est pas tout en haut. Alors normalement, la salle tout en haut et cette salle-là, c'est la même. Ok. T'as fait des vidéos dessus, c'est lequel? C'est le jeu auquel tu travailles de nuit. Il y a 7 fins. Le but, c'est de découvrir quel corps. Ah, mais Mortuary Assistant. Ok, Mortuary Assistant. D'ailleurs, on va bientôt refaire le let's play. Ah oui, rien à voir avec Phasmophobia, en effet. Rien à voir. Je crois pas avoir checké à la salle de bain. Ouais.
Ce qui est dommage parce que, putain, ça fait quoi? Sur 5 games, on aurait eu 3 games salle de bain, c'est pas mal, hein. Après, est-ce que je préfère Phasmo ou Mortuary? J'adore les deux. Je dirais, en vrai, je dirais Phasmo, quand tu regardes le nombre d'heures passées, mais... Tu viens de gagner un abonné, bah c'est très gentil, merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'abonner, du coup? Ouais, je pense que t'as raison, il doit être sale de bain. Merci beaucoup pour les follow. Putain, il va être sale demain, le salaud. Let's go! Putain, j'adore! Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Êtes-vous de gauche? Où êtes-vous? Êtes-vous sourd? Êtes-vous vieux? À mon avis, il est soit sourd, soit vieux. Hein. Putain, 5 games, 3 games, salle de bain, quoi. C'est trop bon, ça, quand tu as Carolan. Il y a une soirée Phasmo, je suis pas prévenu. Ah bah, si t'es pas prévenu, c'est de ta faute, hein, sache-le. J'ai prévu tout le monde. La preuve, tout le monde est là. Ok. Tac, tac. Non, je voulais regarder ça d'abord. Allez, dis-moi qu'on a un fantôme avec empreinte, comme ça je peux voir s'il y a une empreinte sur la douche. Une empreinte sur la douche. Je ne ferai pas de rime avec ça. Une empreinte sur la douche. Nanana. Y a pas d'empreinte. Y a pas d'empreinte, y a pas d'empreinte, ok. Dommage. Est-ce qu'on a de la glaciale? Pas de glaciale, on n'a pas l'air d'avoir d'orbe non plus. On n'a pas eu orbe une seule fois depuis le début. Je vais plutôt mettre la caméra en dehors. Je trouve ça plus simple, moi. On va aller foutre les dots. Pas de soucis, allez. Le réveil dans 6 heures. Pour partir en vacances. Oh, bah ça va, il y a pire comme réveil. Alors, j'ai regardé des rediffusions Phasmo. Tu m'as donné envie de l'installer. J'ai commencé à suivre tes games car elles sont professionnelles. Bah, c'est très gentil, merci. J'essaye de pas trop dire de conneries, mais de le faire en m'amusant. C'est le principal, de s'amuser. Oui, le thermomètre est beaucoup mieux qu'avant. Comment tu vas, Lilia? Dans la salle de bain, 3 fois, ça va faire passer un message. Alors, est-ce que c'est un fantôme qui est très propre? Ou est-ce qu'il est en train de me dire qu'il faudrait que je me lave? Sachant que... Hey, chut! Sachant que j'ai pris une douche avant le début du stream. Ça me ferait chier qu'il y a la clim dans ma pièce, là. Mais non. Regarde, j'ai même pas d'alvéole. Ah si. Vous n'avez rien vu. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous jeune? Êtes-vous sale? Tu réponds pas. Ah si, il a répondu. Hein. Oh putain, il a changé de salle. Ou alors c'est la glaciale. C'est peut-être la glaciale qui met de plombes en vrai. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ça va être un Goryeo. Ça va être un Goryeo, on peut voir les dots qu'a la caméra. Vas-y, je pré-shot. Je suis un ouf. Allez, mets-nous les dots, là. Mets-nous les dots. Mets-nous les dots. Allez, mets-nous les dots, enculé. Les dots. Les dots. Putain, bâtard. Ok, il veut pas. Il veut pas mettre les dots. On va plutôt mettre comme ça. Hop. Je vais aller en chercher un deuxième. Il est pote avec les abeilles, je sais pas. Ah, je... si, le MF5, j'ai déjà mis. Salut Bijour, tu vas bien? Comment tu fais pour pas te laisser du Phasmo? Bah, parce que j'en fais pas tous les jours. Et à quand du Phasmo IRL? Bah, c'était hier, tu l'as loupé, c'est tous les dimanches. C'est tous les dimanches, tu l'as loupé. On va mettre un cruci. Après, ça peut être une ombre, hein. Il fait absolument rien. D'alvéole? Auréole. J'ai dit alvéole? Non, mais excusez-moi, c'est mon côté teubé. On est tous un peu spécial. Moi, ma maman, elle me dit que je suis très spécial. Oh putain, il a changé. Fils de bout en train. C'est pour ça qu'il nous met rien. Il a changé de salle, le salaud.
C'est pour ça qu'on avait 7 degrés tout à l'heure ici, ça remonte. Ouais, tu vois, 11, il a changé, donc déjà on enlève le Goriot. Espèce d'enfoiré. Ok. Est-ce qu'on a orbe? Est-ce qu'on a orbe? Ça a pas l'air. Ok, on va aller foutre les dots. Ah, il touche encore des crutes, hein. Des trucs, pardon. Tu touches, hein. Qu'est-ce qu'il touche, là? C'est des petits bateaux qui touchent, là. Le MF3. On va mettre un dots là. Un dots là. Ok, ça m'a l'air pas mal niveau dots, là. On va les laisser bouger, ceux-là. Ok, on est pas mal. On va aller placer l'écriture. Le thermo tier 1 n'est plus mieux que le tier 3. Non, il est, le tier 3 est beaucoup mieux maintenant. Hop. Ouais, par contre, s'il y a la glaciale, elle va mettre deux plombes. Hein. Parce que s'il rechange de ça, là, entre-temps, on n'est pas dans le dans la matière fécale. Il a coupé. Il a coupé le courant. Putain, salaud. Ok, c'est pas un jean. C'est en partie pour ces petites confusions qu'on te kiffe. Ah oui, oui, bah vous savez... moi je suis vrai, hein. Je fais des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Hein. Après, il y a des erreurs qui sont faites exprès, mais ça, faut pas le dire. Alors. Pas fifou, hein. C'est pas fifou ce qui se passe, là. C'est pas fifou, c'est pas fifou. On va aller claquer ça. Ah, mais la spirit, du coup, faut que je reteste la spirit. La spirit. Des bisous, Sushi. Non, il y a... on a deux preuves, on est en cauchemar. Ok, il faut que j'aille remettre le courant aussi. Il a pas écrit. On va aller placer un autre bouquin là. Hop. Le courant était où? Attends, le courant était tout en haut? C'est cette partie ou c'était la partie d'avant? Je me souviens plus, chat. Si le courant est tout en haut, nique, hein. J'y vais pas. J'ai la flemme. Ok, MF3. Tant pis, t'attaqueras. Ok. Il veut pas écrire. Putain, t'imagines, c'est la glaciale, il va mettre deux plombes. C'est la partie d'avant? Ok. C'était quoi ça? Qu'est-ce que t'as touché là? Là. Alors, on peut avoir empreinte ici, je crois. Ok, il n'y a pas d'empreinte. Il me semble que j'ai déjà eu les empreintes ici. Ok, donc on sait qu'il n'y a pas d'empreinte. On sait qu'on a EMF. Il faut que j'aille tester la spirit. Ah, Sadako-chan ! Le trépied qui t'a fait peur ? Ça fait longtemps qu'on m'avait pas appelé comme ça. Spirit. Alors. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Êtes-vous jeune? Êtes-vous vieux? Où êtes-vous? Attends, il a marché là. Il a marché. Pas d'empreinte? Pas d'empreinte. Ok. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Êtes-vous vieux? Êtes-vous jeune? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Calme-toi, Yorns. Bon, il n'y a pas l'air. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Ok, ok. Alors, attends, qu'est-ce que ça peut être? Si c'est pas la spirit, c'est pas l'écriture, il aurait écrit déjà. Soit c'est les dots, soit c'est l'orbe qu'on n'a pas vu, soit c'est la glaciale. Glaciale. Ok, 0,7 égale glaciale. Putain, la glaciale, quand même, mes deux plombes. Ombre, Oni, jumeau. C'est pas une ombre, il nous a fait un événement en full form. Je dirais Oni ou jumeau, du coup, en faire une chasse. Vivez-vous chez vos parents? C'est une bonne question. Alors, paf, paf, il faut que j'enlève le cruci, t'inquiète pas, cette fois j'y ai pensé.
Bon bah laisse. Par contre c'est moi, on a tout le temps les mêmes fantômes depuis le début. Non non. À chaque fois il y a des gens qui demandent. Si vous êtes en dessous de 1 degré, vous avez la glaciale. Vous n'êtes pas obligé d'être en dessous de 0. Il suffit d'être en dessous de 1 degré. 1 degré c'est pas la glaciale, il faut être en dessous de 1 degré. Voilà. L'objet maudit c'était le cercle, non? Je crois. Je vais allumer ici. Je vais éteindre là. Et on va refaire le test. C'est quoi? Oni ou jumeau? Ok. Ok, ok. Alors attention, avec le thermo tiers 1, comme il oscille énormément, c'est difficile de dire si vous êtes en dessous de 1. Donc le mieux, c'est d'attendre avec le thermo tiers 1 que vous soyez en dessous de 0. Mais avec le tiers 2 et le tiers 3, en dessous de 1, c'est glacial. Ok, let's go. Normalement, on va avoir la réponse, là, si c'est Oni ou jumeau, tout de suite, avec le cercle. En plus, on a le billard, donc on peut le louper, ça c'est génial. On va allumer ici. On va essayer de pas crever. Let's go, baby. Oh, let's go, baby. Oh, c'est un Oni. J'ai plus de santé mentale. Ok, il va chasser. Oh, shit. Là, il chasse, non? Toujours pas. Je suis à 0, hein. Pourquoi il chasse pas? C'est une ombre? Non. C'est pour ça qu'il nous a fait une full forme. Il chasse toujours pas. Ah, parce que j'ai un cruci. Il a bouffé le cru. Ah ouais, voilà, il a bouffé le cru, c'est pour ça. Ah, il l'a bouffé. Là, il est bouffé deux fois? Ou une fois, chat? Ah non, il vient de le... Ah non. Là, il est bouffé deux fois, ok. Ok, on va attendre qu'il chasse. Il a touché... C'est les jumeaux. Je pense que c'est les jumeaux parce qu'il a touché la cheminée là, on a entendu le MF, tu vois, j'ai le MF posé là, et on vient de l'entendre toucher la douche. Il y a quand même une sacrée distance entre les deux. Donc je dirais jumeaux. Ok, pourquoi il chasse pas? Pourquoi il chasse pas? C'est bon. Ah non, il chasse pas. Si, ça y est, il chasse. Chut. Il est retourné salle de bain? Ah, ces bruits de pas ont l'air normaux. C'est peut-être un Oni. En fait, il est peut-être juste retourné salle de bain, en fait. Ah putain, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au... Ah, il est peut-être retourné. Il a re-changé de salle et retourné salle de bain. C'est pour ça que j'ai cru qu'il avait fait des interactions éloignées. Ok. Les bruits de pas avaient l'air normaux, chat. Mais le clignotement aussi. Du coup, ce serait ombre. Le jumeau lent est plus lent que le joueur de base, mais il accélère quand il voit, donc... C'est un événement, ça. Ouais, c'est un événement. C'est bien ce qu'il me semblait. J'y crois pas, l'ombre j'y crois pas. Je pense que c'est juste un Oni qui se balade. Alors vous pouvez tester si le fantôme chasse avec la télécommande aussi. Hein. Ça compte comme un interrupteur. Ça sent l'ombre quand même. Par contre, si c'est une ombre, c'est l'ombre qui fait le plus d'événements paranormaux que j'ai jamais vu de ma vie.
Oh, c'est chelou. L'ombre peut pas attaquer quand vous êtes dans sa salle. Regarde, je suis pas dans sa salle. Il chasse de là-bas. Ok, on va essayer de regarder le clignotement. Ah, c'est vrai qu'il clignote vachement vite quand même. Hein. Oh, j'ai appuyé. Fils de pute. Oh non, mais ça, par contre, ça, c'est abusé, je trouve. Je trouve ça un peu abusé, moi. What? Il m'a chopé... Le truc, il m'a chopé à 2 mètres, quoi. Putain. C'était un Oni. C'était un Oni du cul qui se prenait pour une ombre. Oh, je suis dégoûté, le temps perdu pour rien. Putain, au moment où j'appuie, il me chope à 2 mètres. C'est pas la première fois que ça m'arrive sur cette map. Je sais pas s'ils l'ont changé, si ça vient de la map ou quoi que ce soit. Mort en wifi. Non, mais t'as vu ça? C'est peut-être les escaliers. Hein. Putain, le temps perdu pour rien, YouTube, je suis sur le cul. En plus, on a les fantômes. Fuck. C'est peut-être la perspective de l'escalier, je sais pas. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il m'a chopé alors qu'il me touchait pas. C'est dommage. Peut-être qu'il m'a chopé les pieds, t'as raison. Il y a peut-être un système un peu bizarre dans les escaliers. Putain, pourtant j'ai l'habitude de claquer l'encens au bon moment, mais écoute, ça voulait pas. Pour avoir regardé au ralenti sur YouTube, il t'a chopé sans vraiment te choper. Non, non, mais j'ai l'habitude de claquer l'encens au dernier moment, je sais, je suis pas obligé de le faire, mais là, il m'a clairement chopé de plus loin que d'habitude. Donc en fait, dans l'escalier, il faut vraiment faire gaffe, il faut claquer un petit peu à l'avance. Mais c'est comme ça qu'on apprend, on apprend de ses erreurs. On est parti. Mais du coup, on a perdu 10 minutes, quoi. C'est dommage, parce qu'on avait le fantôme. Malgré le fait que ça soit un Oni qui se prenait pour une ombre, mais bon. Il a quand même... Parce qu'il a quand même attendu de... Il a quand même attendu de sortir de ma salle pour attaquer, quoi. Ce petit salaud. Ah non, non, ça remet pas à zéro le compteur. Non, non, il faut faire 50 parties sur Point Hope validées sans mourir. Non, 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 si tu meurs, il y a absolument aucun problème. Ah non, t'imagines, il faut faire 50... En vrai, ce serait stylé. Faut faire 50 parties d'affilée sans mourir, sans se tromper. Je tryharderai un peu plus. Là, je suis pas en tryhard... Oh, attendez, est-ce que j'ai la porte de dispo? Toujours pas. Ah non, non, s'il fallait faire une streak de 50 d'affilée, je serais en tryhard beaucoup plus violent. Hein. Alors... Ah, j'ai pas regardé les objets maudits. A pas l'air d'avoir le miroir. Là, il est là. Ok, il est là, il vient de toucher un truc. EMF5. On va se rattraper. Mesdames et messieurs, on va se rattraper avec une game qui dure 2 secondes. Vous êtes prêts? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous jeune? Êtes-vous vieux? Êtes-vous de gauche? Où êtes-vous? Ok. Bon, on a déjà une preuve. Let's go. Il a retouché un truc. Il est très actif. Déjà, moi, j'enlèverai l'ombre parce qu'être actif comme ça dans ma pièce, c'est bizarre. Ouais, et puis après, je lis le chat YouTube, TikTok et Twitch. Ça reste des excuses, tu vois. Mais si j'étais en tryhard, vraiment, je lirais pas le chat. Je jouerais au jeu, quoi. Ok. Je peux pas écrire de message sur Twitch, c'est bizarre. La hitbox du joueur dans l'escalier est différente que quand t'es au sol à plat. Ouais, bah je viens de m'en rendre compte, car dans l'escalier, les plaies sont... Oui, les pieds sont plus proches. Non, non, mais it makes sense, hein. Ça fait sens, c'est juste que sur le coup, j'y ai pas... sur le coup, j'y ai pas pensé. Donc ça m'a surpris, comme plein de gens dans le chat, j'imagine. Paf. Allez, on va se rattraper en 5 minutes, là. Vous avez pas eu de pub sur YouTube? Vous voulez que j'en mette? J'ai rallumé le courant. Non, j'ai pas rallumé le courant. En vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin de rallumer le courant? Ça marche vraiment la question, êtes-vous de gauche? Ah bien sûr. Êtes-vous raciste? Votez-vous RN? Tout ça, ça fonctionne, bien sûr. Non, ça fonctionne pas. Évidemment que ça fonctionne pas. Mais moi ça fonctionne.
Ok, il n'y a pas l'air d'avoir d'orbe. On va poser le bouquin. On va mettre les dots. On va les mettre en pause comme on en a qu'un. Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'il a... Là, on a un EMF5 juste à côté de moi. Ouais, non, ça peut pas être une ombre. On va retenter la spirit. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous jeune? Êtes-vous raciste? Ok, il est pas raciste. La glaciale. 1 degré. Attends, est-ce qu'on a en dessous de 1? T'imagines, on a les mêmes preuves, mais cette fois c'est une ombre. Ok, toujours pas. Ok. Attention, fut une époque où les gauchers, on leur tapait sur les doigts. Mais j'en ai rien à foutre, ce stream n'est pas politisé, hein, c'est juste pour rigoler. Hein. Je pense que le jeu reconnaît juste le « êtes-vous ?» Tu peux dire « non, 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 ça n'a rien à voir. » Vous pouvez dire « êtes-vous de gauche ?» il marchera pas. Je vous dirai pas comment je fais. Il y a une petite technique, mais je vous dirai pas. Je vais pas tout vous dévoiler non plus. Calmez-vous. Vous êtes fous. Hop. On va regarder les empreintes avec le sel. Et cette fois, on va prendre une lampe. Et je vais prendre... Allez, hop, comme ça, on est peinard. Et on peut utiliser le sprint. Merci beaucoup, Sukuna, pour le Prime. Bienvenue à la com, bienvenue chez les gueux, bienvenue chez les gens qui sont pas concentrés quand ils jouent à Phasmo. Alors. Ça peut pas être un démon, ça peut être un Raiju, faut faire gaffe. Raiju, moi je suis persuadé hein, que c'est un des fantômes les plus dangereux du jeu. Hein. Il y en a qui le trouvent pas forcément dangereux, moi je le trouve très dangereux. Quoi c'était MF là? MF3. Par contre, si vous pouvez éviter. Ok, des empreintes. De faire du bruit dans tous les sens. Ça aiderait bien aussi. Ok, empreinte. Le mec qui vous engueule parce que vous sebez quoi. Oh putain, vous faites chier à sebez, sérieux. Hey, si je le mets dans le milieu, j'en banne 2. Ça va, ça a de la chance. ok, c'est pas un... Ah non, ça peut être un Obake, c'est pas un Goryo. Myling, ok. J'ai pas fait gaffe au niveau des... Au niveau des empreintes de pas. Bah écoutez, mesdames et messieurs, il faut qu'on aille faire une chasse. On n'a pas le choix. Il faut qu'on aille remettre le courant aussi parce que le djinn ne peut pas faire son pouvoir si le courant n'est pas remis. Ils sont au top les modos. Bien sûr qu'ils sont au top les modos. Merci Anthony pour le prime. Tu rigoles. Eh, vous êtes quasiment 800 sur Twitch à 1h du mat, c'est beau, hein, un lundi. Vous régalez, hein, sachez-le. Alors, ce qu'on va faire, mesdames et messieurs, tester le mining, on verra... Putain, le mining sur Point Hope, c'est horrible. Vaut mieux tester le djinn et le baquet. C'est plus safe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller remettre le courant et on va le louper autour du billard. Et du coup, on va voir si c'est un djinn ou un baquet. Si c'est aucun des deux, on va mettre mining. Ça va, Little Pooh? Du coup, Walret, ta forme. Alors, il est où? Il est où ce maudit courant? Oh, Deadpool, ça fait plaisir. Merci. 13e mois déjà, putain. Alors. Je crois, je suis même quasiment sûr qu'il peut mettre des empreintes là-dessus. Ils ont bien bossé cette map quand même, les empreintes et tout. Le fantôme peut les mettre beaucoup, peut les mettre partout quasiment maintenant. Ah, et le mining, tu l'entends pas et... Non, c'est vraiment dangereux le mining. Hein. Vraiment dangereux. L'objet maudit. J'aimerais bien la boîte à musique. Non. La poupée vaudou, pourquoi pas? À la rigueur? Non. Oh, pas la monkey paw. C'est pas la monkey paw. Ok, donc j'ai dû louper le miroir. Ou le tarot. Super bien, je suis super urgent dans l'ombre et m'endors avec ton stream tous les soirs. Bah merci beaucoup madame, tu régales. Merci beaucoup.
Ok, il chasse pas. Écoutez. Vous voulez qu'on fasse le tarot, chat? Oui! Vous aimez bien le tarot? Oui! Vous voulez que j'aie le pendu? Ouais, c'est la Ouija! Vous êtes baisé! Let's go, baby! Alors, mining au packaging, ok. Putain. Oh non! Fais chier, c'est la gamine. C'est littéralement le pire fantôme. Il chasse. Chut. Ah non, il a pété les ampoules. Ah non, mais il a pas envie, quoi. Il t'a pas envie qu'on le trouve. Il a pas envie qu'on le trouve. Fais chier. Là, tu fais chier. Comment tu veux que je loupe la gamine? On la voit pas. Bon, on va trouver une autre façon, vous inquiétez pas. On va mettre ça, on va se barrer. Il va chasser. Là, il chasse. Yes. On va voir s'il accélère. Attention. Je le vois pas changer. Hein. Oh putain. Je vais pas me refaire niquer cette fois. Ok, je l'ai pas vu changer une seule fois. Si c'est un obake, je me la coupe. Et je l'ai pas vu accélérer non plus. On est sur un mailing là. What? Ok. Putain. Ça aurait été drôle la prédit sur le tarot, j'avoue. Comment tu vas, Elocos, tu vas bien? Moi, je partirais sur un mailing du fion. Le baquet, c'est non. Le jean, l'accélération, j'ai pas bien entendu, mais j'ai pas. Je partirais sur un mailing, moi. C'est quoi des kanji? C'est pas marqué Google, là. T'es pas sur Google, tu tapes kanji. Oh putain. Est-ce que le beau jeu, on met mailing et potentiellement on perd encore 10 minutes? Ou est-ce qu'on reteste encore un coup? Qu'est-ce que vous en dites, chat? Encore un test? On n'est pas à 10 minutes près? Test, 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 ok. Let's go, baby. Putain, même le jean, c'est chiant en vrai sur cette map. Hein. T'as tellement peur qu'il te chope dans les escaliers que tu fais même pas gaffe à l'accélération. Alors, je vous montre le son pour les bruits de pas. Il chasse pas là. Hein. Non, il chasse pas. Ok, il chasse pas. Plus qu'à attendre qu'il chasse. Il devrait pas trop tarder. Même si j'ai caché la Ouija, je dois pas être à 100% non plus. On va attendre qu'il chasse. La pauvre Ouija. Ah bah la Ouija, on l'a explosé. Hein. Ok, il joue au billard. Le mieux, ce serait qu'il vienne en bas sans que je sois dans l'escalier, tu vois. Qu'on voit bien l'accélération, ça ce serait top. Oh, Kretox, tu vas bien? Oh, il joue aux échecs. Tu vas pas faire grand chose avec ton petit pion, mon ami. Hein. Ok. L'Orio est fainéant comme l'ombre. Non, pas forcément. Ok. Il est sympa, il vous met de la musique, Kretox. Ça va très bien. Ça va très bien. J'attends qu'il attaque. Tout le monde peut se raid. Ah oui, c'est Twitch, hein. Tout le monde peut raid tout le monde. Après, tu peux enlever les raids manuellement. Hein. Si jamais tu veux.
Mais moi, tout le monde peut me raid, ouais. Bah écoute, on attend qu'il chasse. Je parle français. I speak French, Skullzy. How you doing? C'est bien passé? Oh putain, on aurait dû mettre mining chat. On aurait perdu moins de temps. Allô? Qu'est-ce qu'on lui chante? On va lui chanter une petite chanson. Petite chanson, qu'est-ce qu'on lui chante? Pedro. Non, je rigole. Je l'avais dit. Ah. T'imagines le ghost, il te fait le fantôme du bi... le... Ouais. Ok, on écoute. Vas-y, viens là, viens là. Descends, s'il te plaît, descends. Oh, il est monté. Descends, descends, descends. Non, il accélère pas. Je le vois pas changer, je le vois pas de toute façon. Il est où? Il est là. Non, si c'est un obaquet, je me la coupe. Il a pas changé une seule fois. Il a pas accéléré comme un djinn. Non, ça peut pas être un obac. I would stay, but I can't really understand French, so I'm gonna go. No, no problem, you can go. Thank you for stopping by. Kiss. Ouais, ouais, il y a le courant. Ouais, ouais, il y a le courant. Il y a le courant, regarde, parce que le lampadaire est allumé. Vas-y, moi, je pars sur mining. Hein. Goryeo, c'est pas possible, on a pas les dots. Putain, si c'est à Jin, c'est abusé, parce que l'accélération, on la voit absolument pas. Hein. Putain, mining. On aurait dû partir. On aurait dû partir, hein. Hein. Bon, très bien. Mesdames et messieurs, allez, on a fait la moitié. 1h30 de vidéo. Il y a eu un loupé. Malheureux. Moi, le sub 3h, j'y crois à mort. YouTube, la coupure, la pub, on ne s'arrête pas tant qu'il ne nous reste pas 20 parties restantes sur Pond Hope. C'est une garantie. A tout de suite. Et je peux vous dire un truc vite fait. Je peux vous dire un truc vite fait, que c'est vrai que j'aurais pu m'en servir en fait pour enlever l'obaquier. En fait, si vous avez un obaquier... alors moi, je l'ai eu qu'avec le skin de Sadako, mais ça le fait peut-être avec les autres. Mais en fait, l'obaquier sur Point Hope, il sera en moonwalk quand il chasse. Donc en fait, on aurait pu enlever l'obaquier déjà dès le début. Voilà. J'espère qu'on aura du coup un obaquier pour que vous voyez que l'obaquier moonwalk. Mais ouais, c'est un petit bug. Je crois pas qu'il l'ait réparé encore. Alors, Leslie Mills. Ça, c'est des femmes qu'on connaît bien, qu'on n'oublie pas. Ok, let's go, c'est la casquette, hein. Ça serre la tête, on dit des conneries. Let's go baby. C'est quoi des kanji? Je vous laisse regarder sur Google. Ok, il fait 15 degrés, il y a du brouillard. Allez, un petit ghost salle de bain là? Non? Alors ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le bonheur ultime. Ok, je vais poser un peu le matos là. Non, ça, j'ai pas besoin de le poser. Chercher le reste. Hop. Oh là là, si on peut avoir le fantôme dans l'entrée, la game dure 5 minutes. Good luck pour le reste, mais c'est gentil. Oui, oui, le phare est extrêmement dur. Hein. Le phare est extrêmement dur par rapport aux autres maps. Hein. Là-dessus, on est d'accord. Des femmes qu'on n'oublie pas. Oui, c'est la petite ref avec Barbara Gould. Le cercle d'invocation, c'est normal que quand mon pote a allumé la dernière bougie, le ghost a un direct et l'a tué. Oui, c'est normal. Parce que t'avais pas assez de santé mentale, en fait. J'ai pas entendu un truc, là? Non? Ok. Ok, ok, let's go. Alors, combien on a ici? 14. Ok, il est pas là. Il est pas là. On est parti. Putain, à tous les coups, l'électricité va être tout en bas et le... Oh, on a le tarot! Et le fantôme tout en haut. Alors c'est pas l'un, c'est l'autre. Okay. Est-ce que vous êtes prêts pour la sortie sur console à Halloween? Il va y avoir encore plus de questions sur ce chat. Ça va être ingérable. Ça va être trop cool, hein.
Parce qu'on va être nombreux et tout, et c'est toujours trop bien quand il y a plein de nouveaux joueurs, mais ça va être ingérable. Putain, il va être tout en haut. Il va vraiment être tout en haut, cet enfoiré. Mais non. Plus de boulot pour les modos. Ouais. Oh non, il va être tout en haut, ou alors la salle de bain avait pas encore changé de... Oh l'enculé! Ah putain, je suis deg! Ok. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous jeune? Êtes-vous vieux? Où êtes-vous? Ok, j'ai eu la spirit, ça je suis content. Putain, il est tout en haut le bâtard. C'était sûr. C'était sûr! Ok. Je trouve ça dommage qu'il sort pas sur Switch. La Switch peut pas le faire tourner. La Switch ne peut pas le faire tourner. Et puis, non, moi je trouve ça bien. Enfin, je sais pas. C'est bien qu'un jeu sorte sur toutes les plateformes, mais sur Switch, à mon avis, il y aurait eu tellement de soucis. Enfin, déjà qu'il sort pas sur Play 4, le truc. Attends, je vais allumer ici. Comme ça, je saurai s'il coupe le courant. Ok. On est parti pour un aller-retour. That's super. Tu peux jeter un objet du haut du phare et le retrouver en bas? Bah normalement oui. En principe, j'ai jamais essayé. Fais-toi plaisir. Est-ce que les lunettes de vision nocturne permettent de voir les orbes? Non. Du coup, je dois m'acheter une PS5 si je veux le jeu. Ah bah oui, ou un PC, ou une Xbox. Bon, tu vas Nerzy, tu vas bien? 7 games sur 7, t'as eu le fantôme tout en haut, putain. Oh, mon pauvre. Mon pauvre, ça c'est un coup à Cyrine Bastos. Hein. Non, il sort pas sur PS4, désolé. Désolé. Mais bon, et la PS5, elle est sortie il y a combien de temps? Elle est sortie il y a au moins 3-4 ans, non? Bon, après, je suis d'accord. Les deux premières années, tu pouvais pas trop en trouver. Mais bon, il y a un moment... Bonsoir. Trop bien qu'ils sortent enfin sur PS5. Mais ouais, et puis surtout que les joueurs PlayStation pourront jouer avec les joueurs PC. Et inversement. Il sortira jamais sur Phasmo, les gars. Le mec qui sait absolument pas de quoi il parle. Ça me fait toujours rire, ça. C'est des gens sur... C'est des gens de Twitter, ça. Ils ont un avis sur tout, mais ils connaissent rien. Désolé, c'est tombé sur toi. Ok. Tac. On va mettre ça comme ça. On va poser le bouquin. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? Oh, j'aime trop parce que j'ai des sons que j'ai jamais eu. Alors du coup, hein, je vous le redis, mais cet étage-là et l'étage du dessous, c'est considéré comme le même étage. Attends, mais je suis con, faut que je fasse gaffe parce que si c'est un Moroi, il va me fumer là. Mais il n'y a pas d'espoir à se faire, le jeu il sort sur console. Il n'y a pas de faux espoir ou quoi que ce soit. C'est acté quoi. Ok. Je vais mettre du sel hein, pour les empreintes, ce sera plus simple. Okay. Halloween, ils l'ont annoncé la semaine dernière. Il sort à Halloween sur console. Balibalo dans son petit phare se faisait chier, il était tard. Il faisait que des allers-retours. Bah écoute, Fabimos, on va faire un truc. Si ça sort pas à Halloween, je te passe VIP. Si ça sort à Halloween, je te banne. Ça te va? Est-ce que Phasmo va sortir son mobile? Non. Oui, il sera crossplay, Crit Gaming. Comment tu vas? Il sera crossplay, ouais, ça a été annoncé, il sera crossplay. Il sera pas cross-save, donc t'auras pas ta sauvegarde PC sur console, mais il sera... Il sera crossplay.
J'ai pris ma caméra, j'ai dû retourner tout en bas. Maintenant je retourne tout en haut. Tous ces escaliers me font mal au dos. Ah mais je suis con, du coup je saurais pas si c'est mort comme j'ai pris des pilules. Des fois t'as l'impression qu'il y a des effets sonores sur les escaliers. Je suis pas concentré hein. En fait on se fait tellement chier à tout remonter que je me déconcentre. Et du coup le fantôme va chasser, je vais mourir. Alors, un orbe là? Ah ouais, un petit orbe, sachant que il peut être... soit ici, soit au-dessus, vu que c'est la même salle. On s'amuse bien, là. Ah ouais, comment tu veux trouver l'orbe, là? Comment tu veux que je trouve un orbe, ici? Sérieusement. Là, oh! Attendez, j'ai vu un orbe, là. Là! Il est dans le phare! Vous le voyez, là? La bouboule! Orbe! Holy brow! Je suis mort. Non, c'est un événement. Fouh! Ok, il me semblait que c'était bizarre. Ok, orbe, il faut faire attention, ça peut être mimique. Cauchemar, yokai, yorio, mimique. Putain, que des fantômes de merde. Ok, ça on s'en fout. Je vais mettre quand même... je vais mettre du sel, ça peut me sauver la vie. Est-ce que ça peut faire ralentir le fantôme? Ça l'a mis là? Et là, ok. Ok, il vient de bouger ça devant moi. Le cauchemar, je pourrais le tester. Faudrait qu'il nous fasse son pouvoir, en fait. Et j'essaie de le trigger. Ok, l'Orio, il faut que je teste... ah bah j'ai un briquet. Ouais, je vais ramener des... j'hésite à ramener des bougies, à le faire au briquet. Peut-être que le faire au briquet, ça va plus vite. Ouais, ouais, le sel tier 3, il ralentit l'entité. Donc ça peut te sauver la vie. Hein. J'allais chercher des bougies. Les empreintes de pied comptent comme des empreintes en preuve. Oui! Avant, c'était pas le cas. Maintenant, c'est le cas. Le sel tier 2 et tier 3, c'est juste le slow qui change. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est fort de pouvoir slow le fantôme. Tu peux louper un fantôme juste avec du sel. Hein. Sans encens, sans rien. Donc c'est balèze, hein. Je vois mal comment on pourrait jouer à Phasmo sur le cellulaire. Putain, vous êtes encore là-dessus, nous? Oh, vous êtes dispersés ce soir. Bien, Eli, merci beaucoup pour le cinquième mois. Il y en a qui ont essayé Point Hope en VR, d'ailleurs. Ça se joue bien. Ah oui, l'UV. Oui, oui, t'as raison, l'UV pour tester le mimique. Avec le sel, t'as tout à fait raison. J'aurais dû le faire plus tôt, d'ailleurs. Mais il n'y a pas de spirit, mais ça peut être le sel, putain. J'y avais pas pensé. Bien joué. Bien joué, bien joué. Je vais pas prendre d'encens, tant pis, on va jouer dangereusement. Je vais reprendre du sel. Je vais prendre une lampe torche, parce que j'en ai marre de rien voir. Des bisous, Kéré. En VR, tu dois avoir la tête qui tourne un petit peu, ouais. Alors. C'est normal que des ombres chassent pas si t'es dans sa salle. Peu importe que tu sois à 0% ou 20%. En VR, c'est 10 minutes pour monter en haut, c'est vrai? Putain, la galère. Ok, il chasse pas. J'aurais peut-être dû prendre un cruci pour jouer safe. Profiter, c'est le dernier live. Hein. Je déconne. C'est juste qu'il n'y en aura pas pendant 2 jours.
Il a remarché dans le sel, là, non? Attends, je viens d'en poser, il a remarché dedans. J'ai pas fait gaffe. Attends, je vais en poser là. Il me semble qu'il a marché dedans, mais j'ai pas entendu marcher. Ok, il a bougé un objet. Eh, fais pas style, tu chasses, là. Me prends pas pour un con, toi. Allez, marche dans le sel. Là. Ok, il n'y a pas d'empreinte. Là, on l'a bien entendu marcher. Il n'y a aucune empreinte. Ok, il faut que je teste la glaciale. S'il y a glaciale, c'est mimique. Glaciale. C'est un mimique. Putain, on a failli se faire mimiqued. On a failli se faire mimiqued. Mais non, on ne se fera pas mimiqued. Comment tu vas, Web? Tu vas bien? Bon, bah, la game est pliée. Pff, on n'a même pas besoin de faire de chasse. Ça fait plaisir. Petit tarot avant de partir. Non, bah non, mais non. On n'a pas le temps. Ça fait déjà 1h46 de vidéo. 4h de live. Il est 1h du matin. Il nous reste encore 4 parties à faire. On n'a pas le temps. Imagine, on tombe sur un cauchemar. La game fait 35 minutes. Est-ce que t'as déjà joué à 7 Days to Die? Oui. Ça m'est déjà arrivé. Pourquoi mimique? Parce qu'on a 3 preuves. Et on joue en 2 preuves. Le mimique a toujours les orbes en plus. Hop. Oh ouais. Il a coupé le courant. Finalement, je peux rester. Super. Allez, mimique. Mimique, puisqu'on a orb, spirit et température, alors qu'on est en 2 preuves. Le mimique a toujours les orbes supplémentaires. Si vous jouez en 100 preuves, vous avez quand même les orbes. C'est donc un petit mimique. On a eu de la chance parce qu'il aurait pu se prendre pour un démon, le salaud. Mais non. YouTube, on passe du coup à 24 games restantes. Plus que 4 games. Moins de 3 heures la vidéo. J'y crois à mort. À tout de suite. Let's go, baby. Plus que 4 parties. Let's go. Allez. Allez, un petit fantôme là. Petit fantôme électricité là dès le début. Vous pouvez pas jouer contre moi à DBD parce que j'habite au Japon. Donc on n'est pas sur les mêmes serveurs, mesdames et messieurs. Des bisous, Manu. Merci beaucoup d'être resté aussi longtemps. Ok. On a l'os. Ok, let's go. Est-ce qu'on a la planque? Toujours pas. Non. Oh putain, s'il te plaît, pas en haut, pas en haut, pas en haut. DBD, j'aime trop DBD. J'aime trop DBD. Mais moi j'y joue pour faire le con, hein. Je suis pas en tryhard ou quoi que ce soit. C'est comme sur Phasmos, tu vois. Je suis un bon joueur, DBD, enfin je trouve. Mais moi mon kiff, c'est vraiment de faire des games de ouf, pas de tryhard. Vraiment juste louper le tueur, quoi. C'est ce que je kiffe. C'est tout le sel. Ok, il est là. C'est tout le sel du jeu pour moi. C'est vraiment louper le tueur. Ok. Alors, si le tueur est toxique, louper le tueur de façon toxique également. Bien sûr. C'est ce qu'il y a de plus drôle. Bonsoir. Après, quand faut tryhard, des fois je tryhard. Hein. Quand la game est magnifique, j'essaie quand même de tryhard et de sortir, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que si je finis pas une partie en double pipe ou quoi que ce soit, je vais pas rager, quoi. Moi, le niveau sur DBD, je m'en fous un peu. C'est comme sur Phasmo. C'est qu'un chiffre. C'est gentil, Troxic, merci. C'est clair, moi je t'ai connu au tout début quand tu utilisais Dedard. Alors j'utilise toujours Dedard, mais ils l'ont vachement nerfé, malheureusement. Mais j'utilise toujours des dards. Hein. Ça reste une des meilleures perks, je trouve. Texas Chainsaw, j'ai vu, c'est sympa. Hein. Mais ça, DBD, ça reste DBD. C'est comme tous les jeux qui sortent et qui essayent de faire du Phasmo. Phasmo, ça reste Phasmo. Tu feras jamais mieux, en fait. Il faut que tu fasses différent, pas mieux. Ça, il y en a plein qui comprennent pas. Il y a encore des clones de Phasmo qui sortent. Il y a encore des jeux qui s'appellent le Phasmo Killer, quoi.
3 ans, 4 ans après que le jeu soit sorti. Les mecs, c'est bon, passez à autre chose, quoi. Faites un jeu différent. La Belgique. C'est quoi louper de façon toxique? Oh, bah, c'est de faire des teabags, tout ça, quoi. De montrer le fantôme, le monstre du droit. Le faire chier, quoi. Essayez de le... Et en fait, essayez de le faire H-kit. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Jouez-vous à Dead by Daylight? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Ok, ça a pas l'air d'être un joueur. Il a encore touché la porte, j'aurais dû prendre l'UV, je suis un peu con. Ok. Ouais, maintenant avec des darts, faut avoir été accroché une fois, tout ça. Bref, ne vous inquiétez pas, on reparlera technique Dead by Daylight quand on y jouera. Des bisous que tu liens. Okay. Je vais essayer de speeder un peu là, il nous reste qu'une heure 10, 4 parties en vrai. En une heure, c'est faisable. Je pense qu'il y a la moitié des games, c'est des allers-retours, en vrai. Phasmo de Tiboot est une pépite. Phasmo de Tiboot, quoi? Kezako? C'est pas dangereux de laisser la pièce du fantôme dans l'obscurité? Absolument pas. C'est même conseillé. Alors. Faut que je fasse gaffe parce que là j'ai pas allumé toutes les lumières donc je perds quand même de la santé mentale. Ça, c'est ça qui est traître en fait avec ce jeu. Avec cette map. C'est que là, même si t'as la lumière ici allumée, tu perds de la santé mentale parce que j'ai pas allumé les deux. Ça se trouve, je suis déjà à 60. Ok. Oh, c'était quoi ce bruit? Ça m'a fait trop peur. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir d'empreinte. Après, elle a peut-être disparu depuis le temps. Mets-moi la glaciale. Où êtes-vous? Non. Spirit. Ah. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Êtes-vous vieux? Êtes-vous de gauche? Non. Pas de dots a priori. Bah écoute, on va chercher la caméra et le sel. Hein. Salut Unicorn. Je vais très bien. Petite session Phasmo là, parce que bon, il faut le faire. Hein. Mais bon. En ce moment, je prends plus de plaisir sur les jeux d'horreur. Le glow stick est mieux, non? Oh, je sais pas. Le glow stick, il est bien, mais... Je me suis réhabitué à la tier 3. C'est vrai qu'avant, je jouais glow stick. Les deux. Moi, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Pour les empreintes dans le sel, c'est peut-être mieux le glow stick. Mais... Le défi de la semaine, c'est cache-cache sur la map du phare, mais on l'a pas fait. On l'a pas fait parce que la flemme. Tout simplement. Salut Slimy. Allez. C'est bizarre. J'ai l'impression que c'est un fantôme qui me suit. C'est bizarre ces bruits là. J'ai pas l'habitude des bruits. On a une cachette là au cas où. Tu chasses pas là? Non, il chasse pas. Le glow stick, ouais, c'est le bâton lumineux. Le bâton violet là. Tu secoues et ça pétille. Alors. Attends, je vais éteindre ça. Orbe. Pas d'orbe. Ok. On va remettre les dots. On a peut-être affaire à un Goriax. Hein. Ah, il a écrit. Il a écrit. Ok, première preuve. Écriture. Oh! Ok. Petite empreinte, là? Ok, pas d'empreinte. Pas d'empreinte, pas de MF.
Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous jeune? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Putain, j'ai eu peur! J'avais oublié ce bruit de verre. Bah, en vrai, EMF5 ou... Ou température, non? En vrai. Bon, c'est pas une ombre, il vient de bouger un truc à côté de moi. Ça s'est fait. La petite glaciale, là, qui met deux plombes. Je la sens bien, la petite glaciale qui met deux plombes. Tu vas vite te calmer, par contre. Mais tu vas vite te calmer, je t'ai dit! Non, mais oh! Merde, j'ai fait sauter, là. Il me stresse, ce fantôme, là. Tu me stresses. Mais... Oh, tu te fiches, mon girl! Il va chasser, il va me tuer. Vous êtes prêts? Je vais mourir. Fils de... Alors, c'est peut-être un événement, hein, mais je prends pas de risque. Oui, oui, c'est un cauchemar qui suce mon gueule. Calmez-vous, mais le cauchemar, normalement, il a spirit ou... Attends, c'était un événement ou pas? C'était un événement, ok. Donc si c'est pas spirit, c'est orbe. Si c'est un cauchemar. Mais j'ai pas vu d'orbe, mais j'ai pas vu de spirit. Pour une fois que le cauchemar fait son taf. Saloperie de cauchemar. Il est où ce fils de... Il m'a popé dessus. Vas-y, on va essayer de le louper. Ah merde, mais si je meurs, ça fait chier. Bon bah, on meurt pas. bah tu sais quoi, je vais vérifier dans le camion. Je vais pas me faire chier. C'est soit quoi déjà? C'est soit spirit, soit orb. La spirit, j'ai testé 2-3 fois. Ça fait longtemps que j'avais pas été sur son stream, ça fait plaisir. Et encore, c'est gentil, hein. Et encore, mais je trouve qu'on se fait chier là. Je vais être honnête avec vous. Je trouve que ça fait 20 minutes qu'on s'emmerde un peu. Que j'essaye un peu de discuter avec vous. Mais j'avoue que là, j'ai pas hâte de le faire en une preuve. Hein. Ah mais attends, y a pas d'orbe, ça peut pas être cauchemar, y a pas d'orbe. Hein. Ou alors l'orbe est bugué. Hein. Ça peut pas être ça. Il n'y a pas d'empreinte, il n'y a pas d'orbe, il n'y a pas de spirit. Ah non, les empreintes, je les ai testées. Température. Peut-être la température qui fait chier. Ça a pas l'air d'être un revenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fermé la porte. Fils de... Salaud. Je vais prendre l'UV, je l'ai déjà. Je vais aller foutre une caméra de l'autre côté. Et je vais prendre un encens. Je vais prendre un encens. Moi j'aurais bien aimé mettre cauchemar, mais j'ai pas d'or, pas de spirit. Fils de blablabla. C'est ça, ouais. Il a pas éteint le courant. J'aime pas trop cette game, tu vois. Je vous ai dit, hein, je vous ai dit qu'il allait avoir une partie, on va tomber sur un fantôme qui va nous emmerder. Comment tu vas, Elodie? Tu vas bien? Alors. Ça fait plaisir de retrouver tes lives. Bah écoutez, moi ça me fait plaisir aussi de live, ça me fait plaisir de vous retrouver. Mais je trouve qu'on s'emmerde un peu sur cette map. En tout cas, durant cette partie. Attends, il chasse là? Il chasse? Attends, c'est un démon, je viens de prendre des pilules. Ou alors j'avais perdu énormément de santé mentale. Bonjour, bonjour. Ok. What the fruit? De fruits de gris? Mais du coup, si c'est la glaciale, c'est le démonus. Chasse pas, je t'en supplie, chasse pas. Je t'en supplie. Où êtes-vous?
Quel âge avez-vous? Êtes-vous jeune? Êtes-vous vieux? Avez-vous changé de salle? Où êtes-vous? Êtes-vous un démon? Ouais, j'y suis pour rien, c'est Manix qui a attaqué la banque! Putain! Glacial du cul, je le savais! Ouais, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar! Il faisait juste ça, tu vois, il faisait ça! Putain! Je suis sûr que c'est un démon du cul! Je voulais passer de voir à la Japan, j'ai pas eu le temps avec le boulot. Ah merde, bah j'y serai l'année prochaine. J'y serai l'année prochaine. On va pousser, je vais pousser Oli là. Ah, il m'a invité tous les ans Japan Expo. Avez-vous changé de sexe? Non mais ça te regarde pas ça. Il fait ce qu'il veut le bonhomme. Tu pètes les plombs, non je pète pas les plombs. Non. Croyez-moi, venez me voir sur Dead by Daylight, vous verrez ce que c'est péter les plombs. Comment tu vas Pepper, tu vas bien? Peeper, pardon. Alors attends, je suis à combien de santé mentale là? On va voir si je suis au-dessus de 50. C'est pas un Moroi, il est à spirit obligatoire. Ah merde, je suis peut-être au-dessus de 50. En dessous de 50. Donc peut-être l'ombre, ça me paraît bizarre. On va voir. J'attends un peu. La Japan Expo, c'est à Paris. Ouais. Il y en a une à Marseille, mais j'y suis pas allé. Non, c'est un démon. C'est un démon, regardez. C'est un démon. Vas-y. Attendez, revenant. Ces bruits de pas étaient normaux. Attendez, on s'est tapé une chasse. J'ai pris pilule, on s'est tapé une chasse. Ces bruits de pas étaient normaux, non? Comment on peut bien débuter sur le jeu sans être perdu? Alors Joachim, tu vas sur YouTube, tu tapes Mr. Thibaut guide débutant. J'ai fait un guide pour toi sur YouTube. Il t'explique plein de trucs. Non, mais démon. Je vais mettre démon, moi. Je vais mettre démon. Allez. Incroyable, cette game. Incroyable, si j'ai juste. Ah, mais oui, non, mais... Qui a douté, ici? Non, ferme-la, toi. Qui a douté? Levez la main. Voilà, on est d'accord. Allez, on est parti, mesdames et messieurs, let's go! Il nous reste plus que 3 parties, je vous montrerai bien mon cul. Mais malheureusement, c'est interdit par les règles Twitch. Du coup, je vais vous montrer la pub. A tout de suite. Mesdames et messieurs, il nous reste que 23 parties, on est parti. Allez, j'y crois à mort. Et pour toi, celle-là, Luigi. Vous l'avez pas vu venir, hein? Vous l'avez pas vu venir. Lui non plus. Ok, il neige. Ah putain, il neige. Donc je peux pas commencer... Des bisous, Eddie. Je peux pas commencer... thermomètre. Ok. Du coup, on va essayer de remettre le courant le plus vite. Oh putain, oui. Alors là, tu me régales. Oh là, mais là, tu me régales. Attendez. Ah là, il régale. Ok. C'est les réflexes de DBD qui reviennent, ouais. T'as glissé, là, on avait dit pas les mamans. Ouais, on avait dit de temps en temps. De temps en temps, il faut bien leur faire un petit bisou. C'est normal. Ok. La loc, attends, on parle pas trop vite. Hein. C'est l'électricité que j'ai en bas. Hein. C'est peut-être pas la salle du fantôme. Hein. Donc là, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'essaie pas de trouver la salle du fantôme? Parce qu'en fait, quand t'as le temps des jeux, toutes les salles de la map commencent à 4 degrés. Donc tu vas pas la trouver, la salle, avec le thermomètre. Donc j'attends que la température remonte en ayant allumé le courant. C'est pour ça que je ramène du matos en attendant. Ça prend environ une minute ou deux, tu vois, que la température remonte dans toutes les salles. Et ensuite, let's go. L'eau sur la map, ça sert à rien. C'est pour avoir de l'XP et de l'argent. Voilà. Au niveau de la game, on va dire elle-même, ça ne sert absolument à rien. Ça n'énerve pas l'entité, ça te donne pas l'endroit où est l'entité, rien du tout. Merci beaucoup pour les follow. Ok, je vais prendre ça. Et un cruci. Et puis un encens, tiens. Et bisous, Easy. Et gros bisous. Il nous reste que 3 games. En vrai, 3 games, ça va. Alors, on va le prendre en photo. Donc voilà, tu vois, ça te donne de l'argent. Ça te sert à faire des games parfaites, à la limite. On va poser ça ici. On va poser ça là. Et du coup, là, normalement,
au lieu de 5 degrés, voilà, tu vois, ça commence à remonter. Donc on va déjà pouvoir trouver la salle un peu plus facilement. Tu vois. Donc là, tout ce qui est à 9, 10, c'est des salles normales. C'est pas la salle du fantôme. La salle du fantôme, elle est plutôt autour des 6, 5, 4 degrés. Des bisous à ceux qui vont se coucher. Je vous le répète comme ça, vu que vous êtes un peu nombreux et qu'il y en a qui vont se coucher, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, puisque demain et après-demain, il n'y aura pas de stream. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me suivre sur Insta, toi aussi? C'est quoi ce bruit? Il n'y aura pas de stream parce que je pars en tournée vous faire un vlog. Je parle pas en tournée, je pars vous tourner un vlog. Je me suis mal exprimé. Donc je vous ferai des stories et des lives sur Insta. Ok. Et donc je reviens jeudi en stream, jeudi soir. Jeudi soir, jeudi soir. C'est pour ça que je vous fais du Phasmo ce soir, parce qu'il vous faut votre dose de Phasmo. Ok, elle a 7 degrés. 2 degrés, vous voyez? Oh, la glaciale! Mais moi, la glaciale, dès le début, je serais le plus heureux là. Tu veux pas, hein? Ok. Ok, donc on sait qu'il est là. On sait qu'il est là. Donc si vous jouez sans le courant et que vous avez le temps neigeux, toutes les salles, vous avez le souffle. Et donc si vous avez un lentou, vous êtes mort. Parce que lentou est rapide dans toutes les salles froides. Merci pour les follow. Et vous régalez là. J'ai une petite question. Je fais une partie avec des amis sur Point Hope. On est tombé sur un esprit. On a eu une chasse. Elle m'a tué une autre personne. Mais la chasse a continué. C'est normal en fait. Quand tu es dans une difficulté supérieure au professionnel, donc cauchemar, démence, tout ça, la chasse continue en fait quand le fantôme tue quelqu'un. Donc c'est tout à fait normal. On va pré-shot. On va prendre l'écriture. Vas-y. Les consommables, faut les racheter, ouais. Si tu crames un encens, il faut racheter l'encens, ce qui est normal. C'est inconsommable. C'est marqué dans le shop, hein. Vous allez dans le shop, vous avez un petit icône si l'objet est inconsommable ou non. Écoutez, cette session se passe plutôt bien, hein. À part quelques games, tu vois, on se fait chier un petit peu parce qu'il faut faire des allers-retours. Et le fait qu'on se soit fait goumer dans l'escalier, en vrai, c'est plutôt propre, hein. Je suis assez content. Je pensais vraiment qu'on allait galérer plus que ça. Après, attention, c'est pas fini. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Êtes-vous propre? Où êtes-vous? Êtes-vous vieux? Êtes-vous malsain? Il est pas malsain. On va mettre le bouquin. Il a touché... Ah, il a touché la chose. Il a touché la porte. Vite, je vais aller chercher l'UV. Je vais laisser la lampe. Je me rappelle à la sortie de Phasmo déjà, pas de sprint. Ah oui, il n'y avait pas de sprint à l'époque. Mais on arrivait à passer des bonnes soirées. On avait les J qui criaient en permanence. Et d'ailleurs, les games sont sur YouTube. Je me souviens d'une petite partie sur l'école avec les J là. Incroyable. En fait, quand le fantôme tue un partenaire, comment t'appelles ça? La chasse recommence à zéro. Donc il suffit qu'il chasse. Une chasse, on va dire, en cauchemar maudite, ça dure 50 secondes. Donc il suffit qu'il chasse. Au bout de 40 secondes, il tue quelqu'un, ça recommence. Donc tu peux vite tomber sur des chasses de 2-3 minutes. Si t'as quelqu'un qui meurt à chaque fois. Je viens de me défoncer le cou. C'est long pour avoir de l'argent sur Phasmo. C'est pas long, il suffit de pas mourir. Hein. C'est tout. Arrêtez de mourir. C'est vous qui êtes trop fougueux, vous faites des parties et des difficultés, vous ne maîtrisez pas. Ok. Ouh, j'ai vu un clignotement, ça m'a fait un peu peur. Ok. Empreinte. Empreinte direct. T'as plus besoin de charger l'empreinte limite. Ok, empreinte. Le MF. Attends, je vais poser les dots. Le MF 3, pas de. Ok, c'est pas une ombre.
Ok, on a les dots de poser. Est-ce qu'on a la glaciale? On n'a pas d'écriture. On n'a pas de glaciale. Fils de Brown. C'est Sadako? Ok, c'est Sadako. Je ressors. Ok, c'était Aspirite. Où êtes-vous? EMF5? Oh putain, le MF5. Ok. Un événement paranormal ne peut pas mettre le MF5, hein, sachez-le. Gorios, pas possible. Obake, Myling, Jin. Oh, du coup, si c'est un Obake, c'est Sadako. Si c'est un Obake, normalement, il devrait moonwalk. Oh, s'il te plaît, moonwalk. Oui, oui, oui. Non, mais arrête de... Non, 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 arrête de m'envoyer ta longue vue dans la gueule, là. Fais-nous un moonwalk. Allez, je vais chercher un encens. C'est quoi l'objet maudit? Attends, je vais aller voir l'objet maudit. Alors, c'est un bug, hein, le moonwalk. Hein. C'est un bug. C'est pas la monkey po. Ok, ça, c'est cool. Pourquoi? Parce que... Pas sûr de ton info, chef. Il me semble que la chasse est allongée de 15-20 secondes par rapport... Doudoudou, qu'est-ce que tu dis? Pas sûr de l'info de quoi? Ah, qu'une chasse dure 50 secondes? Quand t'es en pro, elle dure, si, quand t'es en pro et qu'elle devient maudite, ça rajoute 20 secondes à peu près. Et quand t'es en cauchemar, ça rajoute aussi 20 secondes. Parce que les chasses en pro sont la durée la plus grande. En fait, quand tu passes d'amateur, intermédiaire et pro, t'as les chasses qui augmentent. Mais une fois que t'as dépassé le statut de professionnel, enfin pas le statut, la difficulté professionnelle, la durée de la chasse n'augmente plus. T'as dit que quand quelqu'un meurt, le temps de la chasse recommence à zéro. Non, je veux dire, la chasse recommence à zéro. C'était clair? Si la chasse dure 30 secondes, la chasse a démarré depuis 15 secondes, il tue quelqu'un, la chasse recommence à 0 secondes jusqu'à 30. Elle recommence à zéro. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Thibaut, est-ce que tu sais qu'au billard, il y a une clé? Bah oui, c'est moi qui l'ai trouvée. Alors attends, je voulais tester quoi? Je voulais tester l'Obake s'il moonwalk. L'encens, je l'ai mis où? L'encens, je l'ai mis en bas, je crois. Ça reset le temps de la chasse, voilà. C'est ça que je veux dire. Des fois, je me dis, vous faites exprès de pas comprendre, hein. Je sais que je m'exprime pas tout le temps bien. La chasse dure 30 secondes, quelqu'un meurt à 25. La chasse durera 5 secondes plus 15 secondes à cause de la mort. Moi, il me semble que ça recommence à zéro. Hein. T'as peut-être... j'ai pas testé, hein, je meurs jamais. Et généralement, je joue en solo. Mais... Moi, il me semble que c'est ce qu'ils avaient dit dans le patch note. Ou dans la... On regardera après, si tu veux. Il y a des bruits chelous. Hein. Ah, j'aurais dû prendre deux ensemble, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il va moonwalk? Putain, tu m'as fait peur, la dielle. A smooth criminal. Vitesse normale. C'est un Obake. C'est un Obake, il a pas moonwalk. Donc ils ont peut-être changé le glitch. On l'a vu changer, non? Ouais. Ah, ils ont peut-être réparé le glitch. C'est
bon, j'ai pas paniqué. Qui a paniqué? Ah, ils ont peut-être réparé le glitch. Incroyable. Parce que je me souviens qu'on avait eu un Obake et que elle moonwalkait. Ok. Ils ont sorti un patch note quand j'étais en France. J'ai pas fait gaffe si c'était marqué dedans. Camille a paniqué. Oh, fait chier, j'aurais bien aimé avoir un petit moonwalk. C'était stylé. Ok. Tant pis. Bon bah mesdames et messieurs, au moins la game est réussie. Ou alors il y a un truc spécial pour qu'il y ait le moonwalk. Boum ! Petit Obake, mesdames et messieurs, plus que deux games à réussir. Le sub 3 heures, j'y crois à mort. J'y mets à mort de chez mort, tu vois, 6 fois la capacité. Ça va bien se passer. La coupure, tu connais. Il reste plus que deux parties. Let's go, j'y crois à mort. Boum, boum. Oh ouais. Ok, on a le brouillard. Hop. Allez, vous disparaissez, chat. Vous êtes trop dissident. Vous disparaissez. Alors, 14 degrés. 13 degrés. Je vais aller mettre l'électricité. L'électricité n'est pas là. L'électricité. Le brouillard, ça fait quoi? Le brouillard, ça fait chier. Tout simplement. Ok. Je vais voir l'objet maudit. Objet maudit, est-ce qu'on a le miroir? On n'a pas le miroir. Est-ce qu'on a la Ouija? Non. Allez, plus que deux games là. Plus que deux games. Juste faire un aller-retour. On a le cercle. Ok, très bien, on a le cercle. Bonjour. Vous connaissez Google? Ma fille de 5 ans. Ouais, même ma fille de 5 ans le sait. Non, mais écoutez. Je ne lis pas le chat. Durant cette partie, je ne lis pas le chat. Vous ne l'avez pas mérité. YouTube, je te dis tout le temps de venir nous voir sur Twitch. YouTube. Bah, il y a des fois à Twitch, ils sont dissidents. Sache-le. Sache-le, là, je sais pas pourquoi, ce soir, ils sont bourrés, ils ont décidé de me poser des questions cheloues. Donc, je préfère me concentrer sur la partie. C'est tellement intéressant, là, de faire des allers-retours dans le phare. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux me voir sur DBD aussi. Si tu sais ce que c'est DBD, ça se trouve tu ne sais pas. Okay. Il va être salle de bain. Ça me dérangera pas qu'il soit salle de bain. Furieuse 10 minutes. On va les calmer. Ok, il est là. Très bien. Let's go. On va aller chercher le matos. Hop. Je me méfie plus de la neige à cause du en tout. Ah, le brouillard, c'est chiant. Ayono, commence pas, s'il te plaît. Pas toi. Le brouillard, c'est chiant pour les orbes, surtout. Après, quand vous êtes sur des maps en intérieur, ça va. Mais ouais, le brouillard, ça devient vite chiant. Troxic, 10 minutes. Ouh, je vais passer un bon moment, moi. Alors, pas d'orbe. On va poser le bouquin. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous jeune? Êtes-vous vieux? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous vieux? Êtes-vous jeune? Où êtes-vous? Okay. Ouh, la petite réponse ni vu ni connu. Ok, petite spirit. Est-ce qu'on a de la petite glaciale? Non. Très bien. Oh, très bien. Mmh. 10 minutes, t'es gentil. Ah ouais, je suis gentil, moi je mets 10 minutes, hein, y a pas de souci. Quand t'es en intérieur, ça change rien. Ça dépend. Y a eu pas mal de bugs avec le brouillard, c'était vachement chiant quand même en intérieur des fois.
Mais oui, maintenant ils ont assez réparé le truc. Donc en intérieur, ça change pas grand chose. En extérieur, donc là, si t'as le brouillard et que t'as le fantôme tout en haut, alors sur le campement, par contre là, tu vas commencer à rôter du sang. C'est quand même vachement vite chiant. Alors, on va arrêter les dots une fois qu'ils seront bien au milieu. Voilà, là c'est pas mal. On va aller chercher du sel, comme ça on va pas se faire chier avec la lampe UV. C'est vraiment pratique ce sel. Pourquoi on m'a ban 10 minutes? Pareil, tu lui mets aussi pareil sur YouTube. Parce que tu poses des questions à la con. Parce que j'ai envie. Le sel. Le sel et un petit encens des familles. Non mais le campement avec le brouillard, laisse tomber quoi. Laisse tomber. Alors. On va s'en mettre un petit là. Un petit là. Un petit là. On va attendre qu'il marche. On va bouger un peu le bouquin. On va le mettre par là. Est-ce qu'il est toujours là? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous jeune? Ok, il est par là. Il faut savoir que le fantôme vous répond à la spirite quand vous êtes à moins de 3 mètres de lui. Je crois que c'est 3 mètres. 3 ou 4 mètres. Enfin, il y a une histoire de mètres, quoi. Donc la spirite, c'est très pratique pour savoir où est le fantôme. À peu près, quoi. Ok. Ok, ok. Okay. On va lui mettre... Attends, c'est une chasse, là? Ah, c'est pas une chasse, ok. Oh, j'ai eu peur. Je me dis, attends, il chasse déjà? Et il a marché dans le sable. Ok, il y a la glaciale. Ok. Alors, en vrai, si ça avait été un moroi, ça aurait pu. Hein. Mimic, j'ai pas vu d'orbe. Jumeau, Orio, moroi. Ok. Je crois que le T2, le sel T2, est-ce qu'on a 3 tas de sel dedans ou seulement 2? Je sais que le T3, il ralentit le fantôme et t'as 3 tas de sel. Et le T2 ne ralentit pas le fantôme, mais je sais plus s'il y en a 2 ou 3. Il y en a 3 aussi? Ok, donc il y a juste le slowdown en différence, quoi. Attends, moi je veux pas me faire mimique. Hein. Tu vas pas me mimique. Il n'y a pas d'orbe. Ok, il n'y a pas d'orbe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester l'Onryo. On va tester l'Onryo, là, vite fait. On va mettre des bougies. Les jumeaux, on le verra à la chasse. Et le moroi, le moroi, on le verra à la chasse aussi. Hein. Quand tu vas Erzen, tu vas bien? On est combien sur YouTube, là, pour voir? À 3h du mat. 3h du mat? Non, 2h du mat. Putain, j'ai eu peur. C'est 2h du mat. 83. Ah ouais, quand même. Ça fait plaisir. Alors. Ok, je vais rester dans la lumière. Par contre, j'ai pas de planque, là. J'ai jamais testé cette planque. On va la tester. Écoute, on va la tester. On va voir ce que ça donne. On va voir s'il nous éteint des bougies. Jumeau, Orio, Moroi. Ok. Donc là, je reste dans la lumière exprès. S'il attaque, c'est que c'est un Moroi. Parce que j'ai pas pris de pilule, mais j'ai eu la spirite, donc il m'a maudit. S'il n'attaque pas et qu'il... Il s'est passé quoi, là? Il m'a fait popper à travers la porte. Ok, bon, c'est pas un Orio, je pense que c'est un Moroi. Il était lent. Ou alors j'ai jumeau. Ah putain, jumeau Moroi, c'est vrai que c'est chiant. Je pense que c'est un Moroi, je suis resté dans le... Ouais, en fait, il m'a fait... En fait, je pense qu'il a... Il a touché la porte. Attends, je vais chercher un encens. Il a touché la porte, ce qui m'a fait glitch, en fait, comme ça. Tu vois? Il a dû essayer de fermer... Ah oui, c'est vrai qu'on peut fermer la porte. Et du coup, ça m'a fait passer à travers. J'ai pas trop suivi là, ce qu'il a essayé de faire. Enfin bref. On va aller chercher un ensemble qui rechasse. C'est quoi la différence entre Moroi et jumeau?
beaucoup de différences entre les deux. Je te laisse aller voir mon guide, point d'exclamation guide. L'objet maudit, c'était quoi, chat? C'était le cercle, non? Là, pour l'instant, ça peut être Moroi ou Jumeau. Moi, je dirais plus Moroi parce que j'ai l'impression qu'il m'a attaqué au-dessus de 50. Après, on pourrait le tester. Il a coupé le courant. En vrai, on pourrait tester. Voilà. Ouais, c'est le cercle. Ça tombe bien, en plus. On va se mettre à 100%. Et on va faire le cercle. Comment tu vas, Cassie? Tu vas bien? Alors. Le mieux, vraiment, c'est d'aller voir les guides du patron. Oui, oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Généralement, toutes les questions, j'y réponds dans le guide. Alors, j'attends que ça remonte. Ok, j'étais en dessous de 50. J'étais en dessous de 50, ce qui est normal, hein, vu que les deux attaquent en dessous de 50. Mais j'ai l'impression d'avoir perdu de la santé mentale très rapidement. Ok. Franchement, je vous admire les joueurs qui arrivent à deviner les fantômes sans preuve. Vous êtes trop chaud. Ah, bah, c'est l'habitude. C'est l'entraînement, c'est tout ça. Hein. J'ai pas la motivation d'apprendre. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec la motivation, en fait. C'est à force de jouer, à force de kiffer le jeu, bah t'as des automatismes, tu vois, qui arrivent et tu te fais kiffer. Moi ça a pas été, une tare hein, de devoir apprendre tout ça et tout. Quand tu as Chobits. Tu la trouves comment, cette map, en vrai? Elle est sympa, c'est juste que des fois, c'est assez chiant de faire les allers-retours. Mais sinon, elle est sympa. J'aime bien le côté un peu difficile du truc. Ça change, en fait, la façon de jouer. J'aime bien le gameplay vertical. Donc en vrai, moi j'aime quasiment tout dessus. Hein. Alors attention. On écoute les bruits de pas. Ouais, pour moi c'est un Moroi. Ah, il est rapide. Il est vachement rapide. Il est remonté. On va faire deux chasses hein, pour être sûr. Il est encore monté. Ok. Il est beaucoup plus rapide que tout à l'heure, mais c'est normal, je suis en dessous de 20% de santé mentale. Donc pour moi, c'est Moroi. Ah. Ah, il est bien rapide. Oh, il est bien rapide de ouf! Quand il te voit, c'est une fusée. Non, non, mais c'est une fusée en fonction de ta santé mentale. Est-ce qu'on se refait une chasse pour être sûr ou est-ce qu'on part sur Moroi, chat? C'est un coup à crever, cette connerie. Hein. C'est un coup à crever. En plus, on n'a aucune planque. Et celle-là, honnêtement, celle-là, elle a pas l'air de trop marcher, en plus. Au début, il y a un an, je ne me voyais pas faire sans les trois preuves. Puis maintenant, avec les guides, j'ai pris des notes et je fais du sans preuve facilement. Ouais. On part sur Moroi. Allez, je vous suis. On part sur Moroi. L'intuition en général est bonne. Je l'ai trouvé vachement rapide pour les jumeaux quand même. Petit Moroi des familles. Petit Moroi des familles. Donc j'étais bien au-dessus de 50. Tu vois, je suis resté dans la lumière. Et puis je vous l'avais dit, s'il attaque, c'est que c'est un Moroi. Et il était plus rapide que les jumeaux. Mesdames et messieurs, la dernière coupure, la dernière pub. En tout cas, si on se foire pas la game d'après, et on va faire ça bien. On va faire ça bien, évidemment, Petit Moroi des familles, plus que 21 games, une fois voilà, que la modération aura fait la commande. A tout de suite. La dernière game, mesdames et messieurs. La dernière. C'est tout de suite. J'aimerais bien un Déogène, ouais, j'en ai jamais eu sur Point Hope, je crois. Et j'avoue que ça doit bien faire flipper, quand même. Ok, ciel dégagé, ça c'est cool. Ça doit bien faire flipper un petit Déogène, parce que du coup tu l'entends presque pas arriver avec les escaliers. Ah pardon, attendez, je remets le chat. C'est bon, vous êtes dépunis. Alors, 13, 14... Oh oui, on a la planque, mesdames et messieurs. Pour la première fois de l'histoire, on a une planque ici. Incroyable. Il y a le nombre de messages que j'ai reçus en mode « Ouais, t'as réussi à ouvrir la porte secrète et tout. » Ce n'est pas une porte secrète, hein. C'est une planque. Ok, on va remettre l'électricité. Le Déogène, il s'est en permanence sous terre, en fait. Tu peux pas te cacher. Et il est très rapide quand il est loin. Mais en vrai, Kiri, va voir mon guide, hein, parce que tu poses des questions sur tous les fantômes. Donc,
Le mieux, c'est d'aller voir le guide qui t'explique justement les fantômes. Ok. Attendez, là, j'attends un peu parce qu'on a du 11-12 degrés, là. Ça a l'air de descendre un peu, non? Non? Le seul truc que j'aime pas sur la map du phare, c'est les escaliers. Ouais, non, mais les escaliers... c'est pas ce qu'il y a de mieux, en effet. Mais bon. Un ascenseur, ça aurait été bien, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, le compteur, excuse-moi. Excuse-moi, excuse-moi. Merci, Célitar. D'ailleurs, Célitar, The Operator, il était bien? Je suis passé vite fait. Ok, là, on a du 15. Il est peut-être l'étage d'en dessous. Hein. On avait du 11 degrés, l'étage d'en dessous. On a la poupée vaudouche. Ok. Est-ce que vous, ça vous dérangerait d'habiter dans un phare? Une pépite? Ouais, faut vraiment que je le fasse. Là, ok, il est là, tu vois. EMF2, il a touché la porte. Faudrait qu'on aille chercher l'UV assez vite. On a le billard juste en dessous. On va pouvoir louper le fantôme. Si c'est un fantôme loupable, évidemment. Je trouve, tu peux avoir le fantôme dans le couloir d'un étage. Non, il me semble pas. Il me semble pas que le couloir soit une pièce. Au niveau du découpage. Tu pourrais pas habiter dans un phare? En vrai, ce phare-là, il a de la gueule. Hein. Je trouve qu'il a de la gueule. En plus, il est même pas... tu sais, c'est même pas le phare style paumé sur une île au milieu de nulle part. Il est juste au milieu de nulle part. Il est pas sur une île. Au moins, tu peux y aller en bagnole, tiens. Ok, tac, tac. Par rapport à ma santé, je pourrais pas. Ah bah oui. Le bonheur au niveau sonore. Par contre, ouais. Faut pas avoir le mal de mer, parce que même si t'es pas sur la mer, les vagues, tu dois les entendre en permanence. Et tu fais du sport tous les jours, non mais bien sûr. Moi, j'ai des escaliers chez moi, pareil. Hein. Je fais du sport. Ah oui, il faut avoir la fibre. Ah bah, non mais ça, c'est normal, mais on est en 2024, c'est la base. Je sais qu'en France, c'est pas la base de partout, mais... Bon, il y a Starlink maintenant. Ça marche bien, Starlink. Hein. Ça coûte un peu cher, mais ça marche bien. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Avez-vous Starlink? Êtes-vous jeune? Êtes-vous vieux? Connaissez-vous Elon Musk? Ouh, il connaît Elon Musk! Bon, attendez, faut pas faire le ouf. Hein. EMF3. Il connaît Elon Musk. Insane! Ouais, non, mais c'est bon, j'ai compris que tu le connaissais. J'ai compris, calme-toi. Ok. Est-ce que tu veux bien me toucher la porte d'entrée, là, comme tout à l'heure? Non? Tu veux pas? Oh, il a touché. Ok, il a touché. Pas d'empreinte? Pas d'empreinte. Ok. Ce n'est pas un fantôme avec les mains grasses. Ah bah tiens, on va tester si c'est la même salle ou pas. J'ai allumé la lumière. On a Spirit. Normalement, il devrait pas répondre, si c'est la même salle. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Ok, donc là vous avez la réponse. Le couloir et cette salle ne sont pas une et même salle. Et je crois pas que le fantôme puisse être dans cette salle-là. Je sais que Phasmo est mieux, mais j'ai jamais joué. J'ai toujours joué à Demonologist, c'est quoi la différence? Tout, tout est mieux. Sauf peut-être les jumpscares random. C'est vrai que Dasa, Demonologist le fait quand même assez bien. Non, à part les graphismes, en vrai, y a rien. À part les graphismes, je vois pas. Je vois pas. Si, te prendre pour un con, ils le font mieux aussi. Mais certains diront que j'ai de la mauvaise foi. Ok, tac, tac. Salut Fusion, tu vas bien? Oui, il faudrait peut-être qu'on fouille les placards, voilà. Si on peut trouver un peu des bijoux, des conneries. Voilà. Mais après, nous, on n'est pas des voleurs, on est des enquêteurs en paranormal, hein, calmez-vous. Mais non, mais Camille, t'excuses pas. T'inquiète pas, Camille. Tu joues à ce qui te fait plaisir. Salut Akao, tu vas bien? Je t'ai découvert il n'y a pas longtemps, et grâce à toi, j'ai appris à aimer le jeu. Je te remercie de m'avoir fait découvrir le plaisir de jeu. Bah écoute, plaisir partagé. Merci de venir nous le dire, ça fait plaisir. Le nom de Phasmo que j'ai dû vendre, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. T'imagines si je touche une com comme je le fais avec Oli?
Le délire. In-sim, ça doit être encore pire. Ok, y a pas d'orbe. On va mettre les dots. Pour l'instant, on a que la spirit. Est-ce qu'on a la glaciale? Pas de glaciale. Déjà, c'est pas ombre. Pas de MF. Putain, c'est pas un... Me dis pas que c'est un cauchemar. Non? Ok, faut que je fasse gaffe si c'est un moroi. Ouais, faut que je fasse gaffe. Un yokai aussi, faut que je fasse gaffe. Mimix, pas possible. Des... Ah, petit... Hé! T'imagines, c'est un déogène? J'ai dit que j'ai jamais eu de déogène. Pas en déogène, ce serait fou quand même. Ce serait insane. Chacun ses goûts. Non, après, c'est pas une question de... Oui, il y a une question de chacun ses goûts. Et puis après, il y a une question d'objectivement. Le jeu est mauvais. Mais tu peux très bien aimer des mauvais jeux et des mauvais films. Hein. Il faut... Moi, je sépare les deux. Hein. Le fait que Démonologie soit un mauvais jeu, je peux... Enfin, c'est sans prendre mes goûts en compte. Objectivement, le jeu est mauvais. Après, bon, ça fait des mois que j'y ai pas joué. Peut-être que maintenant, c'est un banger. Hein. Si ça me met, c'est l'écriture... Ah, il y a peut-être du danger. Il faut faire gaffe. Hein. Faire gaffe, faut faire gaffe. Proposer une idée de fantôme, il va doubler lui-même les hurlements du fantôme. Bah, tu sais, moi, je suis chaud, hein, je suis chaud à tout. Hein. Là, j'ai tourné la dernière pub pour Oli. Hein? Oui, pardon, j'ai pas le droit. Hein? Non, j'ai rien dit. Première pub du live. Ah putain, il est pas rentable ce live. Hein. Falloir que je mette plus de pubs sur YouTube. Hein. Vous avez eu combien de pubs YouTube? Non, non, vous n'avez rien entendu. Mais qu'est-ce que t'as, toi? Tiens, écris dans le bouquin, s'il te plaît. Ou alors, mets-moi la glaciale. Qu'est-ce que tu fais? Écris dans le livre. Écris dans le livre, là, qu'est-ce que... Ah, tu veux laver les chiottes? Écris dans le livre. Qu'est-ce que t'as fait avec les chiottes? Ils y sont collés, là. Il va me la mettre à l'envers, cet enfoiré. Ah, voilà, écrit dans le livre, c'est ce qui me semblait. Merci. Bon, ça, c'est fait. Ensuite. Putain, j'espère que c'est pas un cauchemar. Dernière game cauchemar. Je serais deg. Oh, attends, si c'est un polter et que je le loupe autour du billard, normalement, on voit ça, on voit les boules partir dans tous les sens. Vas-y, let's go, j'allais chercher le lançant. Cette map du phare, combien sur 10? Combien de quoi? J'en sais rien. J'ai pas de notes. Mais on est au-dessus de la moyenne. Salut Saphir. Salut Teiko. Salut Devil, tu vas bien? Canadé, merci beaucoup pour le 8e mois. Je bloque toutes les pubs, donc j'en ai plus. Super. Bah merci. Si je m'étais appelé Julien Chiez, je t'aurais ban, tu vois. Salaud. Salaud, ça soutient même pas son streamer. Espèce de salaud, jugez-le. Tout ça parce que monsieur veut pas regarder une pub de 5 secondes. Putain, ça me dégoûte les gens comme ça. Je vais te bannir. Alors, attends, c'est le tarot? Ah non, 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 je suis con. Si seulement les pubs Twitch pouvaient durer 5 secondes. Bah oui, mais les pubs Twitch, je les mets seulement quand je joue pas en fait. Donc vous loupez rien avec les pubs. Hein. Je les mets jamais pendant les games, elles sont manuelles. Donc non, non, niveau pub, vous êtes pas sur la bonne chaîne pour vous plaindre. Je les mets manuellement et la plupart du temps, j'oublie de les mettre. Est-ce que j'ai un briquet? Hey, mais tu sais que t'es pas con, toi! Attends, vous êtes dissident là, je suis pas concentré. C'est la poupée. Et ou abonne-toi, t'auras pas de pub, tout à fait.
Niveau pub, ça va, je suis gentil. Même les VOD, même sur les vidéos YouTube, hein, les pubs, c'est minimum toutes les 20 minutes. Hein. Donc ça va. Hein. Des vidéos de 2 heures, vous devez avoir peut-être 5 coupures pub. Tranquille. Bien joué, Tiki. Heureusement que t'es là, Tiki. Hein. J'ai oublié mon briquet. Encore cette map de merde. Ok, bah vas-y, prends 10 minutes. Reviens dans 10 minutes, on aura peut-être fini. Quand tu vas, Mam Girls, tu vas bien? Le jeu ne va pas sortir sur console si à Halloween, Halloween. Oh! Bellumix! Mesdames et messieurs, regardez Bellumix qui vient de claquer 23,99€. Petit soutien pour les gens qui bloquent les pubs. Merci Bellumix. Voilà, toi t'es un vrai. Merci énormément pour le soutien, tu régales. Merci beaucoup. Ça part en chasse aux sorcières, c'est incroyable. Vous êtes incroyable. Merci beaucoup. Merci pour le soutien, tu régales. T'as entendu? C'était quoi? Allô? Bonjour? C'est pas un morail. Chercher la poupée. Je vais crever avec vos conneries, chat. Hein. Merci encore pour les 24 balles. Putain, tu régales. Merci beaucoup. Bah non, mais moi, je pars du principe que les pubs, ça me casse les couilles à moi aussi. Donc, je vous mets des pubs sur ma chaîne comme moi, je tolérerais qu'il y ait des pubs sur une vidéo que je regarde, tu vois. Je trouve que toutes les 20 minutes... En plus, je les mets manuellement. Et je les mets toujours dans des temps morts, tu vois, des trucs comme ça. Donc... Je me fous pas de vous, quand même. J'essaye de rendre l'expérience le plus agréable possible pour tout le monde. Je sais pas ce que c'était, ce bruit, et une partie de moi a pas envie de savoir. Alors, Déogène, cauchemar, esprit. On est parti. Allez là! Ah, mais j'ai mis un cruci, mais quel tebax! J'avais mis un cruci? Ah, ben normalement il est cramé le cruci puisque ça. Attends, il s'excite là. Je vais crever avec ces conneries moi. Vous voyez ce qui se passe quand je vous parle? Je fais n'importe quoi. Crucible gaspillé, c'est pas grave, ça sert à rien. C'est pour ça que le crucible tier 3, d'habitude, je l'utilise pas aussi. Ouais. Bon, bah, on va attendre qu'il chasse. Thibaut, tu fais quoi comme travail à côté? Garderie. Je suis professeur, enfin, professeur, quoi. Gardien de gamin. C'est un Déogène. Putain, c'est un Déogène! J'étais en train de dire que j'avais jamais eu de Déogène et c'est un fucking Déogène! C'est incroyable du fion! J'ai réussi à crever moi. Ok. Il est où? Il est là. Eh, tu fais pas demi-tour. Hein. Oh, j'ai failli me bloquer dans l'escalier! J'ai failli crever contre un Déogène comme un sac à merde! Vous auriez bien aimé, hein. Tiens, mange mes boules! T'as mis la blanche, t'as perdu. Ok. Fouh, putain, ce pré-shot, je veux rien savoir. Le pré-shot d'une vie, mesdames et messieurs. Le pré-shot d'une vie. Un petit Déogène et on a fini avant les 3 heures. C'est magnifique. T'as un travail à côté, j'étais persuadé que t'étais streamer à plein temps. Mais je suis streamer à plein temps. C'est juste que gardien, professeur en garderie, quoi, maternelle, tout ça. Et streamer, c'est la même chose. Juste que streamer, t'as le droit de dire des gros mots. Déogène.
reste plus que 20 parties, mesdames et messieurs. Merci énormément. J'espère que tu as kiffé. C'était donc 10 parties sur Point Hope en cauchemar. Ça s'est plutôt bien passé. Je suis assez content. Il y a des petits moments où on s'est emmerdé. Il y a des petits moments où le chat m'a emmerdé. Il y a des petits moments où on s'est quand même bien amusé. Et j'ai enfin eu mon Déogène sur Point Hope. Plus que 20 parties, mesdames et messieurs, mais ça, ce sera du coup dans une prochaine partie YouTube. Si t'as bien aimé cette vidéo, qui était à moitié du jeu et à moitié un podcast, en vrai, on va pas se mentir, bah, n'hésite pas à venir nous voir sur Twitch, hein. T'as le lien dans la description. Sinon, tu peux venir nous voir sur les lives YouTube directement, tous les jours de la semaine, quasiment à partir de 22h. Je te fais des gros bisous et je te retrouve dans un prochain épisode pour les 10 parties supplémentaires. Enfin, les 10 parties, puis les 10... Bref, j'ai plus de cerveau. Des bisous.